Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Cassan. Bonjour Daniel. Salut Pierre. Enchanté. Merci, merci d'avoir accepté cette invitation. Écoute Pierre, on va retracer ton parcours tout au long de cette émission. Tu es le fondateur de Riposte Laïque. En 2007. En 2007, donc là, ça fait un peu plus de 10 ans que ça tient. Et le porte-voix, le porte-parole de la mouvance. Alors, ma première question, elle est très englobante. Quel bilan tu fais de ces 10 ou 11 années de Riposte Laïque? On peut déjà dire ce que c'est, parce qu'il y a quand même encore des gens qui ne connaissent pas forcément. Qu'est-ce que c'est Riposte Laïque? Alors, le bilan, je ne vais pas faire du Georges Marchais, je ne vais pas dire du globalement positif, parce que quand il a dit ça, ça a fait ricaner tout le monde. Oui. Disons qu'il y a, moi je viens de la gauche, hein, et je continuais à militer à gauche jusque dans les années 2005-2006. J'animais, on va dire, un site de la gauche républicaine qui s'appelait Respublica, et j'ai rapidement compris qu'on avait des divergences trop importantes pour continuer à travailler ensemble. En gros, les divergences étaient de deux ordres. Pour eux, il n'y a que la gauche qui pouvait mener un combat laïque, et il était hors de question de travailler avec des gens de droite qui étaient pourtant républicains et laïcs. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan, je pense à des gens comme Jacques Myard. Pour eux, ce n'était pas possible. C'était le premier problème. Et puis le deuxième problème, ils renvoyaient les trois religions dos à dos et se refusaient à hiérarchiser au niveau des problèmes la spécificité que nous connaissions dans les années 2000-2005 avec la montée de l'islam et l'islamisation du pays. Donc à partir de là, moi en 2007, j'ai voulu, avec des copains de gauche au départ, mais pas seulement, faire un site toujours sur les valeurs de la République, de la laïcité et tout, mais qui dénonce très clairement la hiérarchie des problèmes et donc qui cible pratiquement essentiellement l'islam et le péril qu'il représentait pour toutes nos valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, à vos yeux, tous les gens qui ont fondé avec toi, qui étaient au début avec Riposte Laïque, il y avait une particularité de l'islam qui menaçait vraiment spécifiquement la laïcité, plus que les autres religions. Oui, et puis la réalité de l'islam, la menace de l'islam n'était pas seulement sur la laïcité, même si c'était un aspect, parce que la laïcité est incompatible avec l'islam. Il n'y a pas de laïcité dans les pays musulmans pour une bonne raison, c'est que l'islam est une foi, mais l'islam est une loi. Donc il ne peut pas y avoir de séparation du religieux et du politique, c'est impossible. Et donc bien évidemment, en France, on a des musulmans qui répercutent cette idéologie et qui attaquent frontalement la laïcité, qu'ils veulent ouverte, moderne, tolérante, etc. Bon, bref, ils veulent une laïcité à l'anglaise, quoi. C'est-à-dire que le modèle français, c'est la séparation du religieux et du politique, la séparation de l'Église et de l'État. Eux, ce qu'ils comprennent par laïcité à la française, c'est un modèle libéral. Autrement dit, la laïcité, c'est chacun, il fait ce qu'il veut. Oui. Donc, il y a une incompatibilité évidente et nos camarades ne voulaient pas comprendre ça. Bah, au bout d'un moment, il vaut mieux se séparer que de faire des mauvais compromis. Ce qui a été l'expérience Riposte Laïque. Oui. Lorsque tu étais de gauche, est-ce que tu avais le sentiment, est-ce que tu étais patriote? Tu revendiquais ce mot? Tu avais vraiment l'impression d'être un patriote? Non, c'est-à-dire, moi je m'étais formaté, il ne faut pas se raconter d'histoire, hein, je m'étais formaté dans un discours en gros plutôt internationaliste. On va dire que pour moi, le patriotisme, c'était un repli national frileux qui engendrait la guerre. Et comme à partir des années 80, à peu près tout le monde a abandonné la nation, sauf le Front National, et que moi je ne pouvais pas me retrouver dans le Front National pour un ensemble de raisons que je peux expliquer, mais donc comme je ne pouvais pas m'y retrouver à l'époque, bah bien évidemment il y avait le réflexe, aimer la France c'était être facho, et donc c'était un petit peu un repoussoir. J'aimais pas forcément les hymnes nationaux, et puis je suis quand même un grand amateur de football, et 1998 ça a quand même été un petit déclic pour moi, c'est-à-dire moi qui racontais le drapeau bleu blanc rouge et tout, j'ai quand même vu des millions de personnes qui descendaient dans la rue avec le drapeau bleu, blanc, rouge, et je me suis dit peut-être qu'il faut que tu revoies un petit peu ton logiciel et que en gros on peut pas être content quand la France gagne au football et malgré tout continuer à dire je suis pas patriote, quoi. Il y a quelque chose qui allait pas. D'accord. Dans le logiciel, donc j'ai commencé à me travailler un peu les neurones et à revoir un petit peu cette question de la nation, de la patrie, du patriotisme, voire du chauvinisme, hein.
j'ai commencé un petit peu à revoir ça et à me remettre en cause, y compris sur ce thème-là. Oui, c'est intéressant parce que tout au long de ton parcours politique, bon, tu as eu des procès, etc. On t'a traité de raciste, je crois même que tu as été condamné pour ça. Alors que finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que tes premières vibrations pour la nation, ça a été la victoire de la Coupe de la France en 98, qui était une France quand même black blanc beurre. Alors oui et non, parce que ça a été toute la propagande, et d'ailleurs je trouvais ça exaspérant. Par exemple, si on est sur le football, jamais les Français à l'époque de Platini n'ont scandé simplement le nom de Platini. C'était un côté Platini, il appartenait à toute la France, à tous les Français. Et j'étais horripilé d'entendre un paquet de jeunes Arabes qui ne voyaient que Zizou. Ah oui, oui. Et qui Zizou, qui n'avait pas, à part en finale où il marque deux buts, on ne peut pas dire qu'il ait montré une empreinte énorme. Et le côté black blanc beurre, alors ça a été la grosse propagande. Je me suis quand même amusé à regarder. Le jour de la finale, il y a quand même 7 blancs dans l'équipe de France, championne du monde. Il y a 7 blancs, il y a 3 noirs et il y a un arabe. D'accord. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et j'ajouterais quand même une chose, c'est que les joueurs que je dis noirs et que je dis arabes, donc Zidane, sont des joueurs qui, par leur comportement, sont parfaitement intégrés, sont parfaitement français, oui. Qui n'ont absolument pas un comportement de racaille comme on a connu dans les années 2010, et qui sont des joueurs qui font plutôt honneur à la France, à la patrie, à leur équipe, qui aime le maillot, il n'y a rien à dire. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, il y a eu une évolution. Il y a pas mal de musulmans dans l'équipe de France. Ce qui n'existait pas à l'époque. Ouais, ouais. Effectivement, sous Domenech, ça a été le règne des racailles. Ouais. Benzema, Nasri, Ben Arfa, Ribéry, qui lui est un converti. Bon, oui. C'était quand même, on apprenait qu'il fallait des repas halal et que, bon, on voyait quand même... Surtout, c'est incroyable, on a l'impression que ça les faisait chier de combattre pour la France, quoi. Ah bah Benzema ne le cachait pas. Ouais. Benzema expliquait que l'équipe de France était... Il était né à Lyon, hein, mais il expliquait que l'Algérie était l'équipe de son cœur et que, en gros, l'équipe de France, c'était pour l'alimentaire. Ouais. C'est un mec qui se vantait de ne pas chanter la Marseillaise. C'est un mec qui se permettait de glavioter, y compris à la fin des hymnes. Enfin, bon, une racaille qui n'avait rien à faire en équipe de France. Ouais, ouais. Alors, tu as abordé cette question, j'allais en parler plus loin, mais autant rentrer dans le vif du sujet. Allez. Il est de notoriété publique qu'en 2002, tu as participé à une manifestation contre Jean-Marie Le Pen. Donc tu n'as pas voté pour lui en 2002. Mais j'ai pas voté contre lui. T'as pas voté contre lui, d'accord. Au deuxième tour, d'accord. C'est bien de le signaler. Mais est-ce qu'avec le recul, tu regrettes cette décision et tu te dis pas finalement j'aurais dû mettre certaines choses de côté parce que le combat contre l'invasion était plus important que tout? Alors, à l'époque, en 2002, moi, j'ai absolument pas conscience de l'importance de ce problème. J'ajoute que 2002, c'est le début, pour moi, d'une certaine schizophrénie. Mm-hmm. C'est-à-dire que je me revois très bien le soir du 21 avril, je travaille. Je suis à la tribune, donc je travaille. Et d'habitude, on a les résultats à 18h30. Et là, on voit quand même une petite agitation chez les journalistes. 18h30, il n'y a rien. 19h, on en voit quelques-uns qui commencent à être un peu défigurés. Et donc, on comprend qu'il se passe quelque chose et on annonce la catastrophe. Salaud de Français raciste, Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour. Et donc, évidemment, c'est l'hystérie sur le plateau. Tout le monde dit qu'il faut se mobiliser pendant les 15 jours. Et moi, qui suis quand même un tout petit peu connu comme un militant de gauche et un tout petit peu anti-extrême droite, moi, je dis, je ne voterai pas Chirac. Et tout le monde me regarde dans le genre, mais t'es complètement fou, ça va pas, tu fais le jeu de Le Pen, bien évidemment. Ouais. Et moi, toute seule, je dis, attendez, arrêtez le cirque, quoi. Le Pen, il va pas être élu. La seule question, c'est est-ce que toute la gauche doit amener ses voix à Chirac pour que Chirac soit élu avec 80% des voix, ou est-ce que la gauche reste à la maison, ou vote blanc, et Chirac sera élu qu'avec 55 ou 60% des voix. Moi, pour moi, c'est le seul problème. Moi, aujourd'hui, je vote pas Chirac. Mmh. Je suis désolé. Donc, évidemment, ça a été des hurlements. J'ai même été traîné en réunion d'équipe par un camarade commissaire politique du Parti communiste qui m'a sommé de m'expliquer. C'était d'autant plus drôle que lui, il se vantait de jamais voter socialiste. Oui. Hein, mais par contre, il fallait voter Chirac, c'était assez drôle. Bon, moi, quand je parle d'une schizophrénie, c'est qu'en même temps, j'animais dans les Yvelines une association de gauche qui s'était créée 10 ans plus tôt, au départ contre le Front National, et qui avait quand même évolué sur un combat plus social,
et tout. Et donc, j'ai animé effectivement le matin du 1er mai une manifestation anti-FN, tout en sachant que je n'allais pas voter pour Chirac. Donc j'ai compris aussi que là j'étais quand même dans une certaine schizophrénie et qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je remette des choses en place dans ma tête. Ouais, quoi. Ouais. Parce que pour préparer cet entretien, j'ai regardé pas mal de vidéos qu'on peut trouver de toi sur YouTube et j'ai cru comprendre que c'est juste après, en fait, en 2003-2004, que tu t'es dit, bon là, il faut que je modifie des choses dans mon logiciel. Quoi. Qu'est-ce qui a fait tilt en dehors de cela ? Alors, il y a un truc qui m'a marqué très fort, c'est 1989 et l'affaire des trois jeunes voilés à Creil. Oui. Moi, à l'époque, 1989, je suis délégué syndical CGT Libre, vraiment délégué syndical de la Tribune. C'est quelque chose qui m'occupe vraiment énormément, surtout que je ne suis pas détaché de la production, je travaille. Donc, mais il y a l'affaire des trois voilés. Là, je dis, ce n'est pas possible. Enfin, la gauche ne peut pas accepter ça, quoi. La gauche qui se réclame de la laïcité. Tu peux rappeler ce que c'est, l'affaire des trois voilés ? Trois voilés de 13 ans à Creil veulent imposer pour la première fois leur voile islamique dans une école publique. Le principal, qui est par ailleurs un homme de couleur, Ernest Chénière, les vire en disant « qu'est-ce que c'est que ça ? Vous me retirez ça, vous sortez de l'école, le mec est au RPR, bien évidemment parce qu'il est au RPR, il est traité de réactionnaire, et là toute la gauche morale derrière SOS Racisme, derrière Harlem Désir, explique que ce qui est important c'est que les gamines aillent à l'école, il nous raconte que le djinn se substituera au voile grâce à l'éducation, grâce à la République et tout, et en gros ils traitent de racistes et d'agents de Le Pen toutes les nanas, les féministes et les républicains, parce qu'il y en a quand même à l'époque. Elisabeth Badinter par exemple s'indigne contre ça, donc tous les républicains qui disent attendez, faites-leur retirer le voile ou virez-les, quoi, c'est pas possible, sont traités de racistes et de fascistes. Moi je suis fou furieux à l'époque, je dis ça c'est insupportable, c'est inadmissible, quels sont ces crétins, ils ont rien compris, on peut pas laisser rentrer ça dans l'école, enfin comme d'ailleurs 70 à 80% des Français. Oui. Et Jospin se couche lamentablement et ça dure quand même 15 ans, je reviendrai sur la loi. Oui. Mais par rapport à ma prise de conscience, moi c'est 2003 et c'est une réunion annuelle de l'UOIF au Bourget. L'UOIF, émanation des frères musulmans, je ne savais pas à l'époque, mais bon, je savais quand même que c'était des islamistes et tout. Et donc Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, est invité, il leur fait plein de concessions, les autres l'applaudissent, il parle des carrés musulmans dans les cimetières, il dit qu'il faut regarder et assouplir la loi de 1905, mais quand même, comme il est ministre de l'Intérieur, il fait un petit rappel, il fait une petite piqûre de rappel aux musulmans, il leur dit, bon, la loi c'est la même pour tout le monde, et donc les femmes musulmanes, quand vous faites une photo d'identité, vous retirez votre voile. Ouais. Il est sifflé 12 minutes. Ah oui. Il est sifflé 12 minutes, vous voyez des images, moi je vois ça à la télé, vous voyez des images ahurissantes, on se dit mais on n'est pas en France quoi. Vous voyez une allée qui sépare les hommes d'un côté qui est avec les femmes de l'autre, les femmes sont pratiquement toutes voilées, il y a beaucoup de barbures, enfin on se croit à Téhéran quoi. Et le ministre de l'Intérieur de la France qui fait un rappel des lois françaises, de la laïcité, se fait siffler 12 minutes. Donc je vois ça, je dis mais c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. T'as vu une menace, quoi. Pour la première fois, tu t'es dit, non, mais là, c'est un représentant du gouvernement, de l'État, il n'a pas à être... Et peu importe que ça soit Sarkozy. Oui. Mais j'ai beaucoup de copains de gauche qui disent, c'est ce connard de Sarkozy, on ne va pas bouger pour lui. Mais attendez, je leur dis, c'est pas Sarkozy en tant que mec de droite qui a été sifflé. C'est le ministre de l'Intérieur de la France, République laïque. C'est quand même pas la même chose. Je crois que c'est important d'insister là-dessus, parce qu'on voit ici ta probité. C'est-à-dire que tu t'es dit, mais peu importe, parce que dans cette situation, ça aurait pu être nous. On aurait pu se faire siffler de la même manière, parce que tu aurais très bien pu tenir un discours comme ça si tu as eu ces responsabilités. Pareil. Donc, je me dis qu'il faut faire quelque chose et je le lis justement à l'affaire de Creil dont je parlais de 1989 et du voile. Et il me semble qu'une façon d'attaquer la montée de l'islamisation et, on va dire, l'attitude conquérante des musulmans en France, c'est d'attaquer sur l'école. Et donc, je me dis que les choses ne sont pas réglées, notamment le voile. Y a toujours des équipes pédagogiques, des équipes scolaires qui sont confrontées à des voilés. À l'époque, on parle de 1000 à 2000 voilés dans les écoles publiques, quand même. Et donc, je me dis qu'il faut les attaquer là-dessus. Donc, je me prends évidemment beaucoup de râteaux au niveau de la gauche. Mais on lance une campagne avec, à l'époque, des gens de gauche qui s'appelaient l'Union des familles laïques.
On lance une campagne très active et sur Internet, et on fait beaucoup de réunions publiques. On travaille avec des équipes enseignantes qui ont été confrontées au problème du voile, que ce soit à Lyon, que ce soit à Flers ou que ce soit à Vendôme. Et puis, bah, on fait quand même pas mal de bruit. Il y a une commission parlementaire qui se met en place, la commission Stasi. Et puis, alors je suis confronté à cette époque, et nous sommes confrontés, il y a le début de la création des indigènes de la République, qui à l'époque s'appelle une école pour tous. Je vois que la Ligue des droits de l'homme et le MRAP sont ouvertement du côté du voile à l'école. Et je découvre, parce qu'à l'époque, je n'avais pas approfondi la question, que ça fait 15 ans que ces mecs-là menacent toutes les équipes enseignantes qui se défendent et tous les menaces de procès, les invectives et tout. Bref, je vois qu'ils sont réellement du côté de l'offensive musulmane. Mais malgré tout, le 15 mars 2004, nous obtenons une loi qui interdit ce qu'on appelle les signes ostentatoire à l'école. Alors la loi n'est pas parfaite, par exemple elle ne marche pas dans les écoles privées, ce qui veut dire que les écoles musulmanes, mais y compris les écoles catholiques, dont certains sont quand même un tout petit peu conciliants, on va dire, avec le voile, acceptent le voile, et la loi ne prend pas en compte l'université. Ah. Ce qui pour moi est une catastrophe, parce qu'on voit aujourd'hui que l'université, pour moi, ça fait partie de l'école publique, et l'université n'a pas accepté des signes religieux distinctifs, et on voit que le voile est très présent dans les universités. Donc ce sont les deux lacunes, mais c'est quand même la première fois que l'offensive de l'islam marque un coup d'arrêt et a commencé à mobiliser une société. Donc c'était bien plutôt. D'accord, ouais, c'était notable. Mmh. Ouais. Alors, on va revenir bien sûr au combat actuel, mais tu as quand même eu un historique de militants importants à la LCR, au PCF. En quoi cette formation de gauche t'aide aujourd'hui? En quoi tu es resté ce militant-là? Parce qu'il n'y a pas forcément de honte. Hein, J'ai un bon copain qui s'appelle Fabien Angelman, qui est maire d'Ayange et qui a eu exactement le même parcours que moi. Fabien a été militant syndical à la CGT, il a été à Lutte ouvrière, il a été à la LCR, et d'ailleurs il a quitté la LCR quand les copains à Besancenot ont présenté une candidate voilée à une élection régionale dans l'Hérault. Pour lui, c'était pas possible, il s'est tiré. Puis bah, petit à petit, il a évolué et il a rejoint le Front National. Et il était un petit peu ému, inquiet la première fois, notamment quand il a croisé Jean-Marie Le Pen. Ouais. Et Jean-Marie Le Pen lui a dit « Je sais où tu as milité. Il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait dans sa jeunesse. Il ne faut jamais regretter ses engagements de jeunesse. C'est une époque. Ça correspond à un logiciel d'une époque. Il faut les assumer comme tels. C'est trop facile après de refaire l'histoire, on va dire, 40 ans après. Moi, je sais qu'à l'époque, pourquoi je suis de gauche, j'ai quitté l'école à 14 ans. J'ai de mon choix, hein. Ce n'était pas du tout parce que mes parents étaient pauvres, c'est simplement que je voulais avoir une indépendance financière à 17 ans et donc apprendre un métier de 14 ans à 17 ans. Ouais. À 17 ans, je travaillais. J'étais typographe, je gagnais pas forcément des sommes folles et j'entendais le seul parti politique qui disait défendre les travailleurs et qui le disait avec beaucoup de conviction, c'était le Parti communiste français. Donc moi, ça me paraissait, en plus, j'aimais bien Georges Marchais. On va dire, quand il était sur les plateaux de télé, tout ça, j'aimais bien. Il y avait le côté, oui, un comédien de mauvaise foi et tout, ça c'est vrai, mais il y avait presque un petit côté guignol qui recèle les bourgeois. Hein, et moi, j'étais ouvrier, c'était quelque chose qui me plaisait. Après, j'ai compris avec le PC que je me suis trompé, mais je me suis trompé pas forcément. J'ai jamais supporté les modèles staliniens. Mmh. Et j'étais candide, moi j'avais pas de culture politique. Pour moi, j'étais ouvrier, un ouvrier devait être de gauche. Mmh. J'avais jamais lu Marx, je suis pas sûr que je l'ai beaucoup lu d'ailleurs jusqu'à ce jour. Ouais. Moi, je me suis plutôt construit tout seul. Mais pour moi, c'était logique. Mon camp, c'était la gauche. Quoi. Et le seul parti, parce que la droite était plutôt du côté des patrons, hein, c'est quand même comme ça. C'était vrai en plus. C'était vrai. Donc après, le Parti communiste, c'est un peu comme aujourd'hui, les musulmans nous disent il y a un islam de France et ça n'a rien à voir avec les horreurs que vous constatez en Arabie Saoudite.
Bah, les communistes, ils nous disaient pareil, quoi. C'est-à-dire, ils se différenciaient. Il y avait un communisme à la française, c'est ce qu'ils nous vendaient. Moi, bon, bah, j'avais envie d'y croire, quoi. Oui, ça a été le refuge des trotskistes de dire, bah, si ça avait été Trotsky au pouvoir, ça n'aurait pas été la même en URSS. Ça, c'est ce qu'on nous raconte quand on est trotskiste, parce que j'ai été trotskiste. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. J'ai quitté le PC en 78, tout simplement parce que j'ai eu l'impression d'être pris pour un imbécile, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais un sectaire stalinien, je ne pouvais pas saquer les socialistes. Vous voyez, ça n'a pas changé là-dessus. Hein. Bon, pour moi, les socialistes, ce n'étaient pas des vrais gens de gauche, c'était des traîtres qui, au dernier moment, n'étaient pas du côté des travailleurs, quoi. C'était mon logiciel assez simpliste. Et de 77 à 78, il y avait les élections législatives. Depuis les années 72 et le programme commun, la gauche était dans une spirale qui faisait qu'elle ne pouvait que gagner les législatives. Mmh. Et puis, bah, le Parti communiste s'est mis à faire une campagne très violente contre le Parti socialiste, accusé de trahir les engagements du programme commun. Alors, en gros, les polémiques, c'était sur le nombre de nationalisations et c'était sur le SMIC. En gros, le programme commun disait 2200 balles. Et les communistes disaient, il faut 2004, sinon il n'y aura pas de changement. Je rappelle qu'à l'époque, c'était 1600. Ouais. Bon, on a été excellent, on a réussi en tapant sur le Parti Socialiste à faire perdre la gauche, et le SMIC est resté à 1600. Bon, ça fait un peu réfléchir, et puis surtout, bah, moi j'ai vu entre les deux tours, moi j'étais peut-être candide, mais pour moi, il n'y avait pas d'accord possible entre les socialistes et les communistes à partir du moment où pendant 6 mois, on leur a tapé dessus. Ouais. Et d'un seul coup, en 2 heures, les deux directions se rencontrent et on signe un accord, on nous dit ça y est, il faut voter à gauche. Bon, j'ai dit soit ils se sont foutus de moi pendant 6 mois, soit ils se foutent de moi aujourd'hui. Je comprends, t'as vu la corruption morale en fait de tes leaders, quoi. Oui, je me suis dit, ou ils n'ont pas voulu que la gauche gagne, c'est possible, et dans ce cas-là, faut que je m'interroge pourquoi ils n'ont pas voulu que la gauche gagne, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. J'ai rencontré les trotskistes qui me paraissaient autrement plus combatifs, et donc chez les trotskistes, j'ai rencontré un combat anticapitaliste affirmé contre le patronat, j'ai rencontré un combat anti-stalinien qui me convenait parfaitement, et j'ai rencontré un combat qu'on appelait anti-impérialiste, anti-fasciste, on appelle ça comme on veut, qui à l'époque me convenait parfaitement. J'ai commencé à avoir une culture politique, parce qu'on apprend quand même pas mal chez les trotskistes, même si j'ai jamais été dans beaucoup de stages. Moi, j'ai toujours préféré me faire moi-même, j'ai pas lu tous les bouquins qu'il fallait lire, mais enfin, j'aimais la radicalité du mouvement. Par exemple, on était dans les années 79, dans les manifestations, que ce soit de la CGT et tout, on s'emmerdait. Ouais. Je veux dire, on voulait virer Giscard et pour que la gauche arrive au pouvoir, quoi, qu'on voit enfin ce que la gauche allait faire. Ça faisait des années qu'on avait la droite et les manifs de la CGT, c'était... Union Action avec la CGT, ouais, union avec soi, c'est intéressant. C'était oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, on est toujours là. Bon, ok, c'est bien, mais il y avait aucun mot d'ordre politique. Ouais. Et un jour, je suis tombé sur la Ligue et j'ai entendu à la LCR les mots d'ordre que j'avais envie d'entendre, quoi. C'est dehors le régime à Giscard, grève générale, enfin, une radicalité qui me convenait, ouais. me convenait et qui démasquait un petit peu l'imposture stalinienne, quoi. Parce qu'à l'époque, je pensais qu'il fallait faire la révolution, et j'ai compris au moins que le Parti communiste n'était pas un parti révolutionnaire, mais un parti réformiste qui se disait révolutionnaire, quoi. Ouais. En dehors de son suppôt, de son suppôt de toujours au stalinisme, parce que bon, j'ai compris aussi que le PC était totalement stalinien. Ouais. Donc j'ai apprécié la LCR pendant un moment, et puis... il y a des choses quand même. Bon, moi, j'étais syndicaliste dans le syndicat du livre, on faisait un syndicalisme intelligent, c'est-à-dire qu'on faisait confronter à une modernisation, à un secteur en crise, à des nouvelles technologies, on faisait ce qu'on appelait un recul en bon ordre. Oui. Et on acceptait des pertes de postes. Et je pense que c'était un truc intelligent parce que tu travailles dans un journal, les journalistes, tu fais un travail qui est automatisé
par les machines, et les journalistes ont des machines qui font un petit peu une partie de ton travail, tu peux pas continuer à dire que tu vas pas perdre de poste, quoi. Et il y avait une contradiction, c'est que je voyais que dans l'automobile, alors qu'il y avait la robotisation, la Ligue poussait pour dire pas une perte de poste, pas une perte de salaire, alors qu'il y avait des possibilités avec les immigrés de retour au pays. Bref, j'avais l'impression, en tant que politique, de défendre des choses que je n'appliquais pas dans mon mouvement syndical. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, à force de faire le grand écart, je vais me claquer, quoi. Donc, je préfère être intègre avec moi-même, et j'ai quitté la Ligue en disant, j'ai fait 5 ans à la Ligue, c'était bien, je leur laissais 10% de mon salaire. Quand je suis parti, j'ai fait des économies. C'est vrai, à la Ligue... c'était ça, à la Ligue, le concept. Tu laisses les organisations d'extrême-gauche, tu laisses 10% de ton salaire. Parce qu'il faut que l'organisation ait les moyens, il faut payer les permanents et tout. Donc, vous avez entendu les copains, là ? Faut être énormément convaincu. Hein. 10% de votre salaire pour Tipeee, là, pour que cette émission continue. Là. Vous allez voir, on va péter les scores, là. Et tu me redonnes 5 après. Hein. Évidemment. On s'arrange après, quoi. Non, mais c'est intéressant vraiment de voir la richesse de ton parcours. Alors, il y a beaucoup de jeunes nationaux qui vont regarder ça, ils vont être fulminants, ils vont dire, mais c'est pas possible, ce mec a été à gauche pendant 40 ans. Il faut bien que vous replaciez dans le contexte de l'époque. Dans les années 60, 70, même 80, le danger ethnico-culturel, enfin, c'est quelque chose de super lointain, quoi. Toi, t'as connu la France blanche, disons-le clairement. Et très franchement, sur mon lieu de travail, j'ai jamais rencontré un seul problème avec un musulman. Moi, par exemple, j'étais typographe au départ, j'étais après ouvrier du livre, photocompositeur. On avait dans notre équipe, on avait un seul musulman. Il faisait le ramadan, on se foutait de sa gueule, et très franchement, on pouvait se foutre de sa gueule sans problème. Il avait été le pèlerinage de la Mecque, on s'était encore foutu de sa gueule. Il y avait une liberté de ton extraordinaire. Le mec était algérien, c'est clair que t'as des mecs qui n'hésitaient pas, milieu atelier CGT, hein, qui n'hésitaient pas à parler de la Gégène et à rappeler le bon temps de la Gégène. Enfin, il y avait une liberté de ton dans nos ateliers, mais comme on peut pas imaginer. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais typo dans les ateliers de plomb, d'un mec que tout le monde appelait le Bosch parce qu'il était alsacien, et d'un juif pied noir, mais il nous faisait des sketchs tous les deux, mais c'était ahurissant. Je veux dire, je pense aujourd'hui, mais si on parle de ces sketchs, les mecs, ils sont devant la 17e chambre. Alors que là, ça parlait sans problème, ils osaient parler du four pour le juif et tout le monde se fendait la gueule. D'accord. Donc, il y avait vraiment une liberté de ton, une liberté de parole exceptionnelle, et donc moi, dans ces années-là, j'ai jamais... Alors, on n'entendait pas un propos raciste, malgré tout. Hein. Oui, ça, oui, c'est, oui. Ça, fallait pas rire avec ça. Mais il y avait un humour très transgressif, et donc, moi, j'ai jamais eu de problème sur mon lieu de travail, avec des tentatives d'islamisation, des demandes communautaristes, des demandes de dérogation, et dans mon quotidien, j'étais pas confronté à ça. Moi, très franchement, jusque dans les années 2000, je suis pas confronté à l'immigration, mais j'ai quand même un problème avec l'immigration par rapport au chômage de masse. Ah d'accord, oui. C'est-à-dire que la vision de gauche, en fait. Ouais, je comprends pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que je comprends pas qu'on continue à avoir une immigration avec un chômage de masse. Ça me paraît quelque chose d'impossible. Je me dis qu'il y a quelque chose qui déconne, mais en même temps, il y a le côté, j'ai pas envie de faire le jeu du Front National. C'est ça, ouais. Donc il y a quelque chose qui va pas, mais c'est pas l'essentiel, et puis bon, il faut pas jouer contre son camp, quoi. Mais dans ma tête, quand même, avec le chômage qu'il y avait, qu'on continue à faire rentrer des immigrés, il y avait un petit côté, mais on veut quoi, on veut faire rentrer des esclaves. Et par exemple, j'avais un oncle de gauche qui avait ce discours incroyable, qui me disait, t'es bien content d'avoir les immigrés pour qu'ils te ramassent des poubelles. Je dis, mais ça, excuse-moi, camarade, mais ça, c'est un discours raciste. Bah moi, je ne conçois pas que les immigrés soient là pour ramasser mes poubelles. Et d'autre part, moi, je suis syndicaliste. La bataille à mener, c'est de se battre pour que les gens qui ramassent les poubelles aient des bonnes conventions collectives. Et là, il n'y aura pas de problème. Il y aura des Français qui les ramasseront. Oui. On est dans une période de chômage. On se bat pour donner de l'emploi aux nôtres. Ça m'a toujours paru. Je rappelle d'autre part qu'à la CGT, dans les années 80, moi, à l'époque, j'étais gaucho, j'étais contre, mais je n'avais pas raison. Il y avait le mot d'ordre, imprimons français. Il y avait le mot d'ordre fabriquons français. Alors le FN l'avait piraté remarquablement en ajoutant avec des ouvriers français.
ce qui était effectivement le grain de sable. Ouais. Bon, puis un petit sketch marrant, c'est qu'on avait été assez bêtes pour organiser une manifestation fabricant français en mettant en tête de bagnole pour tenir la banderole une Volkswagen. Ce qui faisait un peu désordre quand même. Évidemment, on s'était fait foutre, ouais, de, ouais. Nous, on s'était fait foutre de nous et à juste petite titre. Petite erreur dans le programme. Et à juste titre. Ouais. Oui, bah d'ailleurs, tout à l'heure, tu as évoqué Georges Marchais. Il faut, encore une fois, je rappelle aux jeunes gens que tout communiste qu'il était, ce n'était pas, Georges Marchais n'était pas immigré. Qu'il a même tenu des propos, on va dire, intelligemment hostiles à l'immigration, en tout cas en période électorale. Et en tout cas, ce n'était pas, il faisait pas partie de l'anti-France, c'était pas un anti-raciste virulent. C'est spécial le PC, mais à la fin des meetings du PC, on chantait la Marseillaise et on chantait l'Internationale. Oui. Et il y avait des drapeaux bleu, blanc, rouge et il y avait des drapeaux rouges. Mmh. Il y avait les deux. Il y avait chez les communistes, mais je pense que c'est aussi l'histoire de la résistance, il y avait un patriotisme. Oui. Chez les communistes qui existaient, moi qui suis fan de foot, je sais par exemple que quand il y a eu un match Saint-Étienne contre le Dynamo de Kiev en Coupe d'Europe, les communistes ont sifflé les Russes pendant tout le match. Et pas seulement, ils les ont pas seulement sifflés, quoi. Bon, ils se sont comportés vraiment en vrai français. Et les, en, Chauvin, face, en face, ça avait beau être les pop-off, ils étaient pour leur club, quoi. D'accord. Bon, la contradiction des communistes, c'était ça aussi. Ouais, ouais, d'accord. Donc en fait, si je résume, c'est que quand tu avais 20, 30, 40 ans, l'expérience du vivre ensemble ne t'angoissait pas parce que dans le cadre de ton travail, bah, ça se passait bien. Avec les quelques immigrés qu'il y avait, ça se passait bien, quoi. Ils n'étaient pas nombreux. Ouais. Ils n'étaient pas nombreux. Ils acceptaient nos règles, ils acceptaient nos lois. Et moi, très franchement, je vivais à 50 km de Paris. J'habitais une petite ville de 10 000 habitants. Il y en avait très peu. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème de délinquance. Pas dans ces endroits-là. Je voyais quand même des choses qui ne me plaisaient pas trop dans les années 80. Le début des émeutes. Oui. Le début des émeutes dans les années 80. Le discours de l'excuse autour de ça, bon, quelque part, ça me plaisait pas, mais c'était pas mon engagement principal. Je comprends. Il fallait vraiment être visionnaire, comme des gars comme Jean Raspail et tout, ouais. Pour voir déjà en années 70. Ouais. Moi, c'était pas le côté principal de mon engagement et je voyais pas. Moi, mon engagement était avant tout syndical. Hein. J'ai été pendant près de 15 ans délégué syndical du livre. J'étais surtout là-dedans. Et c'est vrai que je voyais pas ces problèmes. J'avais quand même, j'ai le souvenir d'un copain roto qui tout le monde le regardait d'un drôle d'air, mais lui il disait, moi les gars vous êtes gentils, j'ai vécu dans les banlieues. Ouais. J'ai vu ce que ça donnait, tant de bagnoles de pété et tout. Bon, vous allez me traiter de facho, mais moi je me tire de ce milieu de fou et je vais m'installer à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Donc c'était quand même des premières alertes quand même. C'est fou, ça allait dans le sens de la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as rencontré des annonciateurs d'apocalypse tout au long de ton parcours? Est-ce que des mecs t'ont dit, mais attends, tu te rends pas compte, dans 20 ans, est-ce que des gens ont accéléré ta prise de conscience comme ça? Bah, des copains qui, eux, vivaient dans ce genre de banlieue déjà. Ouais. Donc, bon, les mecs étaient prudents parce qu'il y avait quand même une espèce de chape de plomb sur le racisme, quand même, quoi. Fallait, le problème, c'était quand même la montée de l'extrême droite, il fallait pas être raciste, le racisme s'amenait à ce qu'on avait connu dans les années 40. Enfin, bon, il y avait quand même ce truc et il y avait une certaine inhibition pour aborder ces trucs-là. Mais il y avait des copains qui étaient totalement décomplexés. Les mecs, ils se faisaient traiter de fachos, ils n'en avaient rien à foutre. Ils étaient à la CGT malgré tout. Hein. Ah oui, oui. Mais bon, certains, c'était des anciens combattants d'Algérie. C'était aussi cette génération. Hein. Oui, oui. Donc les mecs se faisaient traiter de fachos quand même. Bon, pas de manière agressive. C'était, bon, toi le facho, on sait bien, tu les aimes pas, t'as fait la guerre d'Algérie, t'as envie de continuer. Bon, c'était ça. Mais les mecs, ils racontaient quand même leur quotidien. Quoi. Ils disaient, oui, oui. Attends, les mecs disaient, vous êtes gentils, vous avez vos pavillons, vous vivez dans des quartiers qui ne sont pas exposés, venez vivre là, vous allez voir la réalité, quoi. Bon, on n'avait peut-être pas envie de la voir. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Lorsque tu as commencé Riposte Laïque, est-ce que d'anciens camarades t'ont contacté pour te dire, mais qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu as subi un peu leur courroux?
Oh oui. Ouais. Oh bah déjà, il y a eu, alors avec le livre, bon, je dois dire qu'il y a les directions syndicales et il y a les copains. Ouais. J'ai quand même conservé quelques copains qui me voient sans problème. Il y en a quelques autres qui discutent avec moi par courriel, mais qui ne veulent pas que ça se sache, hein, aussi, quoi. Mmh. Et puis, bah, la CGT, ça a été assez drôle, parce que la CGT, ça s'est terminé, alors que moi, j'essayais d'être loyal, j'essayais de continuer à payer ma cotisation syndicale alors que je ne travaillais plus. Mais ça me paraissait normal de payer au moins, je suis parti en pré-retraite, hein, de payer au moins jusqu'à ma retraite. Quoi, ça me paraissait normal. Et bah, ces abrutis m'ont cherché le suif un peu. Quoi, c'est-à-dire, il y a eu une connerie de Libération. Libération a fait une page 2-3 sur le thème « Ces gens de gauche qui rejoignent le Front National ». Ah. Et ils ont mis ma pomme. J'ai jamais rejoint le Front National, je sais pas, ils m'ont jamais appelé, mais ils ont mis ma pomme et un truc comme ça. Immédiatement, je reçois une lettre recommandée de la direction de mon syndicat qui me convoque, ouais. Qui me convoque devant le tribunal 3-4 jours après pour que je m'explique. Bah, je les ai naturellement envoyés paître, et j'ai rendu public. J'ai dit d'abord que la CGT était indépendante des partis, c'était la charte d'Amiens, et que je ne voyais pas pourquoi, même si c'était vrai que je sois au Front National, ça devait poser un problème. Et puis d'autre part, je leur ai dit que j'avais passé l'âge des tribunaux révolutionnaires et qu'ils aillent se faire sauter, ouais, même si je l'ai dit autrement. Quoi. Et puis je leur ai rendu ma carte, et ils se sont vantés par ailleurs de m'avoir exclu. Alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de m'exclure, c'est moi qui suis parti. Donc, bon, par ailleurs, ça n'empêche pas que je regrette absolument pas les années que j'ai passées dans le syndicat du livre. J'ai trouvé une ambiance, une fraternité, une solidarité, une camaraderie exceptionnelle, oui. Que j'ai jamais rencontrée ailleurs, très franchement. On était tous ensemble, on était solidaires, on se battait ensemble, on faisait des opérations parfois violentes. Hein. Le syndicat du livre avait une réputation de syndicat très combatif, disons-le comme ça, et c'était pas seulement avec des mots. Donc il y avait quand même une solidarité, un esprit de corps chez nous que je ne regrette absolument pas, et je trouve qu'on était des gens très virils, et ça m'agace justement de voir ce potentiel de virilité qu'il y avait dans les organisations syndicales qui n'est pas utilisé, quoi, parce que... Ouais. Il y aurait quand même des choses à faire. Je me rappelle, par exemple, en 2006, quand il y avait les manifestations contre le contrat premier emploi, contre le CPE, c'est la première fois que des petits blancs ont été attaqués par des racailles. Oui. C'est-à-dire que dans les manifestations, il y a les petits gars de banlieue qui venaient faire leurs courses, ça avait commencé par les étudiants, en pétant la gueule aux étudiants. Ils profitaient, en fait, du contexte pour... Tout le monde niait les attaques racistes, alors que c'était réellement des attaques racistes. Et moi, j'ai le souvenir de la plus grande manifestation. Tous les services d'ordre syndicaux s'étaient réunis et s'étaient mis d'accord. Et je peux vous dire que les petits racailles, ils ont compté leurs dents dans certaines situations. Ils se sont fait péter la gueule. Ouais. Dans certaines charges et tout, quand ils ont chargé, là, ils ne sont pas tombés sur les petits lycéens blancs bien gentils. Là, ils sont tombés sur des mecs qui avaient ce qu'il fallait dans les mains, qui avaient ce qu'il fallait pour leur mettre des coups de matraque sur la tête et qui les ont démolis. Oui, c'est vrai. Et sans aucun problème. Donc, il y a un potentiel syndical qui, hélas, n'est utilisé que pour, on va dire, défendre le précaré des organisations syndicales. Mais je trouve qu'il y a un potentiel par rapport à la résistance qu'on a quand même envie de construire contre l'islamisation de nos pays et contre l'invasion migratoire. Il y a un potentiel de virilité à gauche et dans les organisations syndicales qui serait utile d'utiliser, sauf que ces abrutis, qu'est-ce qu'ils font? Ils virent tous les militants FN du syndicat alors qu'ils n'ont plus personne. Ouais. Bon, voilà quoi. Toutes ces choses, et finalement, on peut accélérer ta prise de conscience. C'est-à-dire, je me souviens très bien, oui, effectivement, des émeutes de 2005, pour cette histoire-là de jeunes gens qui étaient poursuivis, puis tués par la police. On disait que c'était la police qui avait fait exprès de les tuer, etc. Enfin, je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais dit, mais on va... Où est-ce qu'on va, quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils descendent dans la rue dès que deux des leurs se font tuer, alors que c'était probablement des gangsters. Enfin, voilà, quoi. Ouais, mais c'est pareil, moi ça fait partie aussi dans la gauche républicaine, les copains sont pas à l'aise avec ça. Mmh.
C'est-à-dire qu'ils veulent pas... En même temps, ils veulent tenir un discours républicain, mais ils veulent pas stigmatiser des populations déjà défavorisées socialement, guillemets. Donc, résultat, ils préfèrent parfois s'en prendre aux flics plutôt que de s'en prendre aux racailles. C'est un discours pas tenable, quoi. Ouais, et ça a fait aussi partie des raisons pour lesquelles, bah, au bout d'un moment, on a jugé qu'on pouvait plus travailler ensemble. Moi, je te dis, j'ai toujours trouvé des mecs comme toi ou des gens comme Christine. En fait, pour moi, vous êtes les mecs de gauche les plus cohérents. Parce qu'en réalité, ce que vous dites à vos anciens camarades, c'est, écoutez, pour maintenir la République et la démocratie, il faut déjà un petit peu taper sur la figure des gens qui, eux, ne sont même pas démocrates. C'est-à-dire qu'en fait... Les principales victimes de l'immigration de masse et de l'islamisation de la France, c'est les classes populaires. Mm-hmm. Normalement, quand on est de gauche, on défend les classes populaires. On ne défend pas les classes populaires que quand elles sont dans l'entreprise. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même qu'elle manque de culture et de vision que de ne pas voir qu'en fait, les populations musulmanes ne sont pas républicaines et démocrates dans leur essence. Enfin, elles sont communautaristes, ce qu'on déteste le plus. Elles sont plutôt conquérantes. Ouais. Je veux dire, quand on étudie l'islam, on sait très bien que les musulmans, s'ils veulent se comporter en bons musulmans, il faut qu'ils vivent dans un pays musulman. Mmh. Et donc, ils doivent tout faire dans leur quotidien pour que ça arrive le plus vite possible. Mais je voulais revenir sur la gauche et l'immigration. Oui. Parce qu'il n'est pas vrai, historiquement, que la gauche a toujours été immigrationniste. C'est totalement faux. Les textes de 1920, par exemple, de la CGT, les années 1920, sont très clairs dans les congrès. Oui. C'est-à-dire qu'on combat l'immigration qui est considérée comme l'armée de réserve du capital. Quand vous avez des immigrés qui viennent pour casser des grèves, disons quand le patronat appelle des pauvres bougres, hein, parce que c'est ça aussi, des Italiens notamment, pour casser des grèves, je veux dire, on ne se pose pas de questions, on leur pète la gueule. Ouais, ouais. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde ouvrier. Et dans les années 30, vous avez, c'est des socialistes qui ouvertement assument la préférence nationale et qui prennent des dispositions contre l'immigration à une époque où il y a la crise de 29 et il y a des centaines de milliers de Polonais et d'Italiens qui étaient en France qui repartent. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même avant tout un discours qui est de dire que le milieu syndical, le milieu ouvrier ne peut pas accepter en période de chômage de masse de voir les emplois des Français menacés et d'avoir le patronat, les forces réactionnaires, on les appelle comme on veut, utiliser une main-d'œuvre étrangère pour tirer vers le bas les conditions de travail. C'est important que tu rappelles ça, c'est-à-dire que le sans-frontiérisme, historiquement, ça ne vient pas de la gauche des travailleurs. C'est le discours de l'extrême-gauche. Ouais. Et c'est le discours de l'extrême-gauche qui a gagné aujourd'hui à gauche. Mais ce n'est pas le discours classique du mouvement syndical et du mouvement ouvrier. Ce n'est pas vrai. D'accord. Ce n'est pas vrai. Ouais, c'est vraiment important de rappeler ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, progressivement, c'est une idéologie qui s'est greffée, en fait. Christian, un homme qui était un homme extraordinaire, qui est mort en 1998, un journaliste qui s'appelait Christian Gélène. Christian Gélène était un juif d'origine polonaise. Et il a été totalement excommunié par la gauche pour avoir le premier courageusement commencé à signaler la réalité de l'ensauvagement de la France, même si à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça. Mais ça a été le premier à dire que, bah, désolé, mais toutes les agressions, tous les vols sont commis la plupart du temps par des Arabes et des musulmans, même s'il n'employait pas ce mot-là, mais ça revenait à ça. Et il avait également insisté par rapport à la montée du sans-frontiérisme en disant que, historiquement, la préférence nationale était de gauche. Et l'identité nationale était de gauche. Et donc, il a été excommunié, alors que bah, c'est clair qu'il était journaliste. Il était journaliste, je pense qu'il était de gauche. Il était profondément républicain. Moi, son livre « La guerre des rues » m'a beaucoup ouvert les yeux. Dans les années 98-2000, j'ai lu ça parce que j'ai compris que c'était quand même la réalité de ce qui se passait et qu'on ne voulait pas le voir. Donc, l'immigrationnisme, ce n'est pas une culture de gauche, ce n'est pas vrai. D'accord. Quand vous avez commencé à... Bah, riposte laïque, est-ce qu'il y a eu des menaces de la part de musulmans par mail ou même dans des conférences, etc. Est-ce que vous êtes senti menacé assez vite? Ah oui. Oui. Peut-être pas les deux premières années, mais quand on a commencé à prendre de l'importance, c'est-à-dire... C'est quoi finalement? C'est l'opération Soussion-Pinard qui a fait parler de vous? Ouais.
L'apéro saucisson pinard, 18 juin 2010, on monte ça avec le bloc identitaire, donc là c'est quand même on franchit le Rubicon, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on essaye de garder notre virginité, appelons les choses comme ça, on est de gauche, on lutte contre l'islamisation de la France mais avec des valeurs de gauche, on lance une première pétition, il y a des mecs du Front National qui signent on dit c'est bien mais vous mettez pas votre appartenance, les ouais, copains gênants quoi, vous luttez contre l'islam, on arrive. C'est un peu ça, ouais, mais pour dire, on est prudent parce qu'on est dans une stratégie, malgré tout, où on veut décrocher de la gauche des gens qui vont lutter contre l'islamisation à nos côtés. On est naïf, mais on espère qu'il va y avoir des pans de la gauche qui vont se détacher. Mmh. Donc, on est prudent dans nos relations. Et puis, ça a tellement bien marché qu'on s'est fait traiter de raciste et de facho dès les premières semaines, alors qu'on n'avait encore rien fait. Ouais. Mais bon, le fait qu'on cible l'islam, ça y est, on était excommuniés, on n'était plus invités à aucun meeting, alors que quand même, moi, je m'étais fait un nom pendant la campagne pour une loi contre les signes religieux. J'étais souvent invité à des tribunes et tout. Là, c'est terminé, interdit de séjour. Ouais. Et donc, au bout de 3 ans, on s'est rendu compte que c'était bien beau, on faisait un journal riposte laïque. Soit on en restait un journal, soit il fallait faire autre chose. Donc on a commencé avec Christine Tazin à monter une association de terrain, donc Résistance Républicaine. On a monté notre boîte d'édition et puis surtout, moi j'ai commencé à regarder de l'autre côté. Vu qu'il n'y avait personne, je me suis dit, il faut qu'il se passe des choses. Je suivais le bloc identitaire depuis un moment parce que je trouve que c'était les seuls qui faisaient des actions significatives. Oui. Ils avaient fait un truc fabuleux à Bordeaux. Ils avaient fait l'appel du Mouezzine. C'était l'époque où celui qu'on a appelé Ali Juppé, voulait faire une grande mosquée à Bordeaux et les identitaires avaient fait une action fabuleuse. Ils étaient passés à 5h du matin avec un gros haut-parleur et ils avaient fait l'appel du Mouezzine. Donc tous les mecs ouvraient les fenêtres dans le genre « Mais vous êtes fous, tapage nocturne !» Ils disaient « Mais c'est bientôt ce qui va vous arriver, il faut vous entraîner. » Ah, c'est action, drôle. Action fabuleuse. C'est drôle et intelligent, quoi. Oui, oui, oui. Et ils avaient fait aussi un truc dans un quick halal dans la région lyonnaise. Ils étaient arrivés à 50 avec des masques de cochon à l'heure du repas. Ah, donc, oui. on s'est dit, ces gens-là ont des troupes et ils mènent, même si on n'est pas d'accord sur un ensemble de choses, ils ont des troupes et c'est les seuls qui bougent contre l'islam. Mm-hmm. Et nous, on a des lecteurs, mais on n'a pas de mec capable d'assurer une sécurité, capable d'organiser un événement comme ça. Donc, on a fini par se rencontrer avec, c'était Fabrice Robert à l'époque, qui était président du bloc identitaire, et on a décidé de monter ensemble l'apéro saucisson pinard. D'accord. Alors évidemment, on a eu tous les foutus de gauche, mais vous vous rendez pas compte, vous vous êtes prostituée, vous êtes devenus des fachos, fallait nous attendre, on vous aurait rejoint, tu parles, ça fait 3 ans qu'on attendait. Donc, on n'a aucun regret, ce qu'on a fait, vraiment, fallait le faire, et puis après, on a fait ce qu'a été, je crois, la plus belle réussite de toutes nos actions, ça a été les assises internationales contre l'islamisation de nos pays. Ah oui. Un truc fabuleux, 18 décembre 2010, la France enneigée de partout, la veille des vacances scolaires, les mecs sont venus de toute la France, on avait 1500 personnes dans la salle, on n'en revenait pas, on avait fait un reportage en direct, 1 million de vues pendant tout le week-end, 24 intervenants, 12 nationalités, Oscar Freisinger qui venait un an plus tôt de remporter une victoire, une votation suisse contre les minarets, souviens, ouais. Et qui portait ce combat, a reçu une ovation dont il n'avait pas mesuré depuis la France l'impact qu'avait eu cette victoire des Suisses. Quoi. Mmh. Donc vraiment une réussite parfaite, ça a été la plus belle chose qu'on ait faite. Et effectivement, après, les menaces ont commencé à tomber un peu plus souvent, plus sur Christine que sur moi. Ah, oui. Mais oui. Peut-être aussi que Christine est une femme d'abord. Christine, on va dire, fait davantage d'articles que moi. À l'époque, elle avait un blog personnel que moi, je n'ai jamais eu. Malgré tout, on a su, il y avait un groupuscule islamiste qui commençait à faire beaucoup parler de lui, c'était Force Analisa. Mm-hmm. Qui a été arrêté, qui a été dissous, et les mecs ont pris 7-8 ans de prison quand même, mais on a su, quand ils ont été arrêtés, qu'ils avaient commencé à faire des repérages sur les lieux d'habitation des 3 organisateurs de l'apéro saucisson pinard. Ah oui. On a quand même su ça. Ah oui, donc, oui.
On sait que n'importe qui aujourd'hui en France peut se recevoir un coup de couteau dans la gorge n'importe quand. Ça, on le sait, même si c'est caché par les médias. Nous, on sait qu'on est juste un tout petit peu plus exposé que la moyenne des Français. Et ça nous amène à prendre quelques précautions. Il y a des situations où moi, je prends une sécurité. Ouais, ouais. Et Christine aussi. Hein. Ouais, vous voyez, les gars, on en rigole. Mais en fait, finalement, par volonté politique de marquer le coup en faisant un... Parce que le concept, c'était quoi ? C'était de faire un apéro saucisson pinard dans un quartier avec beaucoup de musulmans, qui était la Goutte d'Or à Paris. Dans un contexte particulier, Daniel, c'était que ça faisait... On avait un caméraman, Maxime Lespentes, le nom n'est pas choisi au hasard, hein, Lespentes, mais qui, tous les vendredis, allait filmer les prières musulmanes illégales dans le quartier de Barbès, rue Mira et dans trois autres rues. Ouais. Donc, c'est dans ce quartier-là que nous, on avait décidé de le faire le soir. Mm-hmm. C'est-à-dire, eux, ils priaient le midi, ils occupaient la rue d'une manière totalement illégale, mais avec la complicité de la municipalité socialiste de Paris, des flics, enfin, tout le monde regardait ailleurs. Ouais. Et donc, nous, on a dit, on va mettre le doigt, ça fait bientôt un an qu'on fait des vidéos toutes les semaines, on va passer une étape supérieure. Donc, nous, on va faire un apéro le soir, quand ils ont fini leur prière. Oui. Bien évidemment, racisme, provocation, islamophobie. Mais on a été médiatisés comme jamais. C'est moi, ça. J'ai été plus souvent sur les plateaux de télévision en une semaine que dans toute ma vie, pratiquement. Ça a été un buzz formidable. Oui, oui. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que, encore une fois, quand je préparais l'entretien, j'ai regardé, je ne sais pas, au moins 20-30 vidéos de toi, et je suis tombé sur une vidéo où tu es interrogé par Ménard, à l'époque où il était journaliste. Et j'ai été étonné par son... Il était vachement virulent vis-à-vis de toi. Alors, je ne sais pas, maintenant qu'il a un peu franchi aussi le Rubicon, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que hors antenne, il t'a dit, écoute, je suis comme ça parce que c'est mon rôle de journaliste, ou est-ce qu'à l'époque, il était vraiment persuadé... Soyons clairs, vous pouvez regarder l'interview, je le mettrai en description. Elle est fabuleuse. Il lui est rentré dans l'art, il lui dit en gros, mais vous êtes islamophobe, vous faites ça pour provoquer à la haine, etc. Alors il était ténu au départ, je crois quand même qu'il a un peu baissé, il a un peu baissé d'un ton après. Ouais. Il n'y a pas eu de contact après, c'est-à-dire l'entretien est fini, il ne m'a pas accompagné, rien, je ne l'ai pas trouvé ce jour-là très amical. Non. Mais malgré tout, et ça c'est aussi la personnalité de Robert Ménard. Il m'a rappelé plusieurs mois après et il m'a proposé une interview. En gros, mes activités de syndicaliste au livre et comment on passe du syndicat du livre à Riposte Laïque. Ouais. Et l'ambiance avait été très sympathique avec lui, avec sa femme Emmanuelle. Et depuis, on va dire que lui a évolué. Parce que Robert, à un moment, il déconnait quand même. C'est-à-dire, Robert, à un moment, il trouvait plein de qualités à Tariq Ramadan. Ah oui, il avait même accepté une invitation à un congrès de l'UOIF. C'est-à-dire qu'il était quand même dans un discours d'un islam modéré et tout. Et je pense que peut-être Emmanuel, j'en sais rien, en tout cas, il y a certaines réalités qui l'ont fait évoluer. Et c'est d'autant plus curieux qu'il ait eu ce discours-là que c'est quand même un fils de pied noir. Ouais. Et il a quand même vu un petit peu ce qui s'est passé en Algérie. Quoi. Donc, Robert, ça a été une lente évolution, c'est vrai. Mais c'est pas moi qui vais lui reprocher. Tant mieux. Ce qui est bien, c'est que c'est un homme libre, c'est un homme qui a une parole intéressante et puis... Il fait tout ce qu'il peut à Béziers. Et la manière dont il a pris la mairie de Béziers, chapeau bas. Ouais. Chapeau bas. Ouais. Est-ce que tout au long de ces 10 ans, tu as suivi également le parcours d'Éric Zemmour à la télévision? Parce que finalement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup... pour certaines prises de conscience. Il n'y a pas beaucoup de personnes pour qui j'ai vraiment une grande admiration. Il n'y en a pas beaucoup. Mais Éric, il en fait partie. Ouais. Et vraiment, sur plusieurs choses. Moi, je dirais, j'ai été également, on va dire, un peu marqué, je n'ai pas dit castré, hein, marqué par le discours féministe. Hein, ouais. C'est-à-dire, en gros, c'était quand même en permanence un discours de culpabilité contre les mâles blancs européens, ça me gonflait, mais je n'osais pas l'affirmer. Ouais. Mais si t'as été castré, dis-le, hein, vas-y. Non, justement, j'ai sauvé l'essentiel. Ouais, j'ai sauvé l'essentiel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis capable de dire à des nanas des choses que je n'étais pas capable de dire avant. Par exemple, j'ai un souvenir, on parlait tout à l'heure de mes années à l'extrême gauche, mais je me rappelle, j'étais dans un groupe, il y avait 10 personnes, j'étais jeune, hein, j'avais pas la parole que j'ai
aujourd'hui, la facilité d'expression, j'étais plus timide, plus effacé, moins sûr de moi. Mais je me rappelle, on est un groupe, on est 10, il y a 8 nanas et il y a 2 mecs. Moi, je fais partie des 2 mecs. Et l'autre mec a le malheur, l'inconscience, devrais-je dire, d'expliquer que bah, physiquement, les hommes sont plus forts que les femmes. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pris dans les trous de nez ? Oh là 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 là, bon, il s'est fait traiter de sexiste, on a expliqué que c'était parce que ça n'avait rien à voir, que c'était simplement parce que les hommes faisaient des travaux plus durs, qu'ils étaient plus musclés que les femmes, mais que dans les faits, les femmes pouvaient, enfin bon, des discours. Non, ouais. Et le mec en a pris plein la tête. Et c'est vrai qu'il bah, y avait quand même une période où on hésitait à regarder une nana, parce qu'on se disait que si on regardait la nana, on allait être pris pour un violeur, quoi. C'était quand même un petit peu ça. Et pour revenir à Zemmour, moi j'ai beaucoup... Au début, j'étais un peu frileux. Je disais, oh, quand même, Eric, il y va fort sur les nanas. Mmh. Et puis, ça, c'est une divergence avec Christine Tazin. Parce que Christine Tazin n'aime pas Zemmour sur un ensemble de choses, et notamment sur les femmes. Et moi, je trouve qu'il a contribué à libérer une parole, à décomplexer un paquet de mecs, bah, que le discours un peu totalitaire des féministes finissait par complexer. Quoi. Bon, il nous a redonné, on aime bien les femmes, on les respecte, mais on n'a pas envie de se faire traiter de macho systématiquement, quoi. On est des hommes, et les hommes et les femmes, c'est pas pareil, point, quoi. C'est ça, ouais. Donc, j'ai beaucoup apprécié Eric là-dessus, et sur l'islam, il a évolué, hein, parce que Eric, au départ, je pense, n'avait pas bien compris toute la réalité de l'islam. Il était peut-être plus prudent, il était dans l'islamisme, il croyait encore à un islam modéré, je ne sais pas si c'était par tactique et tout. Et oui, aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que, très franchement, il n'y a pas de différence entre le discours d'Éric et le discours de riposte laïque. C'est vrai. Et c'est le seul. C'est le seul. J'aime bien, par exemple, Yvan Rioufol, hein, qui fait partie aussi des plus courageux, mais il ne va pas aussi loin. En tout cas, la télévision, effectivement, dans les porteurs de discours, c'est pratiquement le plus clair, là-dessus, le plus constant aussi. Quoi. Et il est sorti du truc islam-islamisme. Lui, il est clair. Clairement, quand ouais, les mecs, quand les joueurs... Et ce que j'aime beaucoup chez Eric, c'est également, c'est un mec, il ne s'excuse pas. Ouais. Parce que, genre, quand même, vous y avez été un peu fort, l'histoire d'Absatoussi, tout ça, il assume jusqu'au bout. Et ça, c'est le côté les gens forts, quoi. Quand on est une personne publique et tout, on s'excuse pas. Pour moi, on s'excuse pas. C'est vrai que j'ai mentionné Éric Zemmour. Parce... Encore moins pas, quand il n'y a pas de raison de s'excuser. Ah bah oui, quand on n'a pas tort. Mais voilà, on ne s'excuse pas. Une des premières choses, bah, comme tu le sais, moi j'ai un parcours aussi. Une des premières choses qui m'a éloigné de la dissidence Soralo-Dieudonnesque, c'est lorsque, je ne sais plus en quelle année, Éric Zemmour avait dit sur un plateau, écoutez, il y a une réalité, c'est que 80% des détenus en prison sont noirs et arabes et musulmans. Et je me souviens très bien. Il y a eu un procès, une condamnation. Alors ça, évidemment, bon là, l'opprobre d'accord des médias, mais surtout dans la dissidence, il se faisait critiquer. On disait, mais alors, tu pousses à la guerre civile, il faut dire ça, mais il faut dire aussi que les banquiers juifs, ils volent de l'argent. Ok, mais quel rapport ? Et je me souviens très bien que je m'étais dit pour la première fois, mais en fait, Soral ne tient pas un discours de vérité, parce que quand Zemmour dit quelque chose de vrai, il lui tape sur le nez, quoi. Donc j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, mais attendez, on a quand même le droit de dire qu'en prison, il y a essentiellement des Noirs et des Arabes, quoi. Enfin, si c'est la réalité, c'est la réalité. Même Jack Lang, qu'on ne peut pas suspecter d'être islamophobe, même Jack Lang a expliqué qu'il y avait 70% de musulmans dans les prisons, oui, pour une population qui fait à peu près 15% quand même. Et c'est comme ça partout. Donc, moi, je sais bien que Soral est peut-être fasciné par les musulmans, peut-être fasciné par l'islam, peut-être fasciné par les pouvoirs forts, peut-être fasciné par une religion où les hommes font à peu près ce qu'ils veulent avec les femmes. Ouais. C'est possible. Mais en tout cas, on ne peut pas être patriote et entretenir des illusions sur la réalité de l'islam et sur le péril musulman. Ce n'est pas les juifs aujourd'hui qui représentent un problème. Et je dirais même, admettons que les théories soient vraies. Admettons. Mm-hmm. Hein, admettons que ça soit les juifs qui tirent les ficelles d'en haut et tout. Et alors, est-ce que ça change quelque chose par rapport au quotidien et par rapport à la lutte qu'on doit mener contre l'islamisation de la France et l'esprit conquérant des musulmans? Est-ce que ça change quelque chose? Je dis bien, admettons. Mmh. Ça ne change rien sur nos priorités. C'est vrai, ça ne change rien au constat et à ce qu'il faut changer. Après, on va dire, un contradicteur te dirait, mais finalement, quand tu vas au tribunal, c'est souvent des associations communautaires, notamment juives, qui t'y ont traîné, comme la LICRA. Donc ça fait réfléchir quand même. Juifs de gauche? Ouais. Juifs de gauche, c'est-à-dire juifs honteux la plupart du temps. Ouais. Juifs honteux, c'est-à-dire juifs pro-palestiniens.
Moi, c'est quand même intéressant. Je suis prêt à entendre. Je suis prêt à entendre tout. On me dit, par exemple, que les Juifs tiennent les médias. Mmh. Il y a sûrement plus de journalistes juifs dans les médias qu'il y a des juifs dans les usines. Ça, oui. Sûrement. Je veux dire, ça ne se discute pas. Mais quel discours ils tiennent ? Les juifs dans les médias, ils défendent Israël ? Pas du tout. La plupart des juifs dans les médias, il suffit de suivre un petit peu l'actualité. Moi, j'étais en Israël quand il y avait eu les derniers événements de Gaza. Ça fait 10 ans qu'on se connaissait avec Christine. On avait décidé de se faire, on ne connaissait pas Israël, de se faire 10 jours là-bas. Ça tombait en plein pendant les événements de Gaza et ça tombait en plein pendant le transfert de l'ambassade à Jérusalem. Bon, mais on a suivi. Nous, on voyait bien ce qui se passait là-bas. On savait exactement la provocation du Hamas, pourquoi ils avaient envoyé leurs mecs se faire massacrer et tout. Je veux dire, on savait tout ça. Et qu'est-ce qu'on a vu en France dans tous les médias ? Que les très méchants soldats juifs avaient tué des enfants innocents, avaient tué des femmes innocentes et tout. Je veux dire, il y a un traitement au niveau d'Israël qui est totalement, moi je trouve, scandaleux. Je vais peut-être en agacer quelques-uns, mais ça fait rien. Il y a un traitement au niveau d'Israël qui est scandaleux de la part de nombre de journalistes juifs, qui sont des journalistes, des juifs honteux. Et je suis désolé, l'affaire Anderlin, par exemple, le montre et montre le corporatisme de toute cette profession qui, Anderlin, on a su quand même qu'il avait fait un montage. Vous avez toute la profession journalistique qui a été derrière Anderlin pour allumer Kersoti. D'accord. Voilà, donc... Moi, je suis exaspéré quand j'ai des avocats juifs en face de moi et qui m'en mettent plein la tête en me disant que je suis raciste contre les méchants musulmans. Je ne peux pas m'empêcher de me dire « Connard, tu crois que tu vas sauver ta peau en jouant le collabo, mais les juifs seront les premières victimes. Enfin bon, connard, tu joues contre ton camp, toi. Ou alors, t'as une solution de secours. J'en sais rien. Mais... » Donc, effectivement, les juifs pro-palestiniens et les juifs pro-musulmans sont les pires traîtres à la France, mais les pires traîtres aussi à leur leur communauté, à leur peuple. Bah, puisqu'on aborde la question juive, il est dit que vous avez des liens avec le Beinen Brit. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu m'en parlais ? Oui, non, est-ce que c'est un... Oh, bah, j'ai pas de secret. Ouais. Des liens, non. Ouais. Des liens, non. C'est même le contraire. Ça va me permettre d'ailleurs de parler des élites juives. Ouais. On avait dans le Mnaï Brit Paris un homme qui est aujourd'hui décédé, qui était totalement d'accord avec notre discours et qui espérait nous inviter dans un maximum de structures pour convaincre un certain nombre de juifs de la réalité du péril de l'islamisation de la France. Donc le mec était complètement sur nos positions, il voyait la réalité, ce qui se passait à Paris, l'invasion migratoire, la place de l'islam dans tout ça, et donc il a essayé de nous introduire partout, et notamment dans un salon littéraire. Donc on a été 2 années de suite dans un salon littéraire organisé par le Mnaï Brit Paris, qui se tenait donc dans la mairie du 16e arrondissement de Claude Goasguen. On y a été une première année, on était invité, ça s'était très bien passé, et la deuxième année, on devait y aller. Le camarade Corbière, qui n'était pas encore député, mais que j'avais connu un petit peu dans les mouvances trotskistes, même si on ne s'est jamais beaucoup parlé, Corbière a intimidé Goasguen en expliquant, c'était après l'apéro saucisson, après les assises sur l'islamisation, en expliquant que c'était un scandale d'accepter dans un salon littéraire un livre haineux, puisqu'on avait fait un livre sur toutes les interventions qu'il y avait eues. Okay. Et donc on s'est fait virer par Goasguen. Donc il y a eu peur que Corbière fasse une campagne sur le thème Goasguen islamophobe, complice de l'extrême droite. Bref, Goasguen s'est couché. Mais Eugène, qui est quelqu'un de déterminé, a réussi l'année suivante à nous réinviter une nouvelle fois. Et là, il y a eu un conflit très dur au sein du Mnaï Brit. Et la direction nationale du Mnaï Brit s'est sentie obligée de se désolidariser du Mnaï Brit Paris et de condamner l'initiative d'inviter Pierre Cassan au Mnaï Brit. Eugène Leiba a essayé de nous faire rencontrer
d'autres structures juives, que ça soit le CRIF, que ça soit l'Union des patrons juifs, des trucs comme ça. Il y avait toujours le même, numéro. Ils voulaient même nous contribuer à un journal qui, paraît-il, allait avoir 1 million d'abonnés. C'était toujours le même cinéma avec eux. Ouais. C'est-à-dire que on sortait, on avait l'impression qu'on allait s'embrasser sur la bouche. On était des gens extraordinaires, ils allaient faire des grandes choses avec nous. Et puis, par derrière, non seulement il ne se passait jamais rien, mais on se faisait torpiller. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que, on a quand même eu des articles particulièrement dégueulasses contre nous. Et moi, c'est clair qu'un jour, j'ai dit à Eugène, écoute, moi, je dis avant qu'il disparaisse, j'ai dit, moi, je perds plus de temps à discuter avec tes abrutis. On perd du temps, ils ne veulent pas bosser avec nous, ils sont incapables de dépasser la campagne. Enfin bon, en gros, vous considérez toujours comme des adversaires potentiels, quoi. Voilà, en gros, ils tiennent à leur respectabilité, ils tiennent au politiquement correct, ils ne sont pas prêts à assumer le fait de travailler avec nous, donc ils arrêtent de faire des promesses et nous, on va arrêter de perdre du temps. Ouais. Donc, la réalité, c'est que j'ai rencontré plein de Juifs, chaque fois qu'on intervenait devant eux, les mecs étaient debout, le public était debout, les gens nous ovationnaient. Et je pense que ce discours-là, ils n'ont pas envie de l'entendre. En disant les chefs des organisations juives n'ont pas envie de l'entendre. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour vous dire, avec le Mabrit, maintenant que Gene est décédé, non seulement il n'y a pas de rapport, mais ces crétins nous détestent. Ah, c'est même hostile. Ouais. Ah oui, carrément. Ouais. Je parle de la direction nationale. Hein. Il y a plein de gens bien dans le Mabrit. Oui, bien sûr. Comme il y a sûrement plein de gens bien dans le CRIF, mais ces gens-là nous détestent. Ouais. En fait, évidemment, là, on ne parle pas des nationaux conspis qui voient des juifs dans leur fond de café, mais on va dire la méfiance qu'ont certains nationalistes vis-à-vis d'une partie de la communauté juive, c'est de voir des évolutions de discours comme celle de Finkielkraut sans remise en question de lui-même. C'est-à-dire, Finkielkraut n'a pas fait amende honorable. Il n'a pas dit « Bon, c'est vrai que pendant des années, j'ai été des discours anti-français. Or, maintenant, je m'aperçois que finalement, Jean-Marie Le Pen a raison sur un certain nombre de points. » Il ne le fait pas, ce pas-là. C'est ça qui est... Je vais vous dire un truc sur Finkielkraut. Hein. Ouais. On va dire, ça se fait pas de dire du mal des rares intellectuels qui disent de temps en temps des choses qui leur valent l'opprobre de toute la bien-pensance. C'est une émission libre, on dit. Mais quand même, quoi, Alain Finkielkraut, de temps en temps, il est légèrement irritant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est en permanence dans la nécessité de donner des gages. Par exemple, moi j'avais été scandalisé, je vais vous dire, Dieudonné, c'est pas ma tasse de thé. Mm-hmm. Hein, d'ailleurs, Christine Tazin avait fait un débat avec lui, je trouve qu'il tient des discours de con, notamment quand il raconte à son gosse, il s'en était vanté, qu'il fallait à l'école qu'il conteste l'histoire de France qui est enseignée, qu'il fallait qu'il dise que la colonisation avait été affreuse et tout. Enfin, bon, qu'est-ce qu'il met dans la tête de son gosse? Ouais. Entre autres, je vais pas parler de ce qu'il fait son fonds de commerce. Mais par ailleurs, moi, je trouve scandaleux qu'on interdise les spectacles de Dieudonné. Moi, je suis très voltairien, pas d'accord avec ce que vous dites. Et quand Manuel Valls a réellement, on va dire, transgressé toutes les lois et mis tout l'appareil d'État pour faire interdire Dieudonné, moi, j'ai fait partie de ceux qu'on dit, c'est un scandale. Valls, il interdit Dieudonné aujourd'hui, il en interdira d'autres demain. Et on a vu ce qu'il a été capable de faire après la mort de Clément Méry. Oui. Mais j'avais vu donc Finkielkraut sur un plateau de télévision, mais je suis désolé, il était plus juif que français. Ouais. Là, ça me plaît pas. C'est-à-dire qu'en gros, il roulait des patins à Valls, dans le genre, il félicitait Valls, enfin un homme politique courageux. Il a appelé à voter Valls lors des primaires socialistes. Et ça, c'est récent, tout ça, 2-3 ans, quoi. Donc ça va pas, quoi. Mmh. Et Finkielkraut, enfin, sur l'islam, il serait quand même temps qu'il se lâche, quoi. Il y en a ras-le-bol des circonvolutions, mais je pense que c'est des gens un petit peu comme Elisabeth Lévy. Ouais. Moi, j'avais entendu Elisabeth, il y a 7-8 ans, faire une conférence sur l'islam, mais c'était un cauchemar.
Ah oui. C'était un cauchemar, il y a quand même 7 ans. Qu'est-ce qu'elle nous disait ? Elle nous disait que la France avait réussi à intégrer des Polonais, des Espagnols, des Arméniens et tout, et que naturellement, la République était assez forte pour intégrer l'islam. Enfin bon, un désastre. 1h20 pour dire ça. Et j'ai l'impression que des gens comme Finkielkraut, comme Elisabeth Lévy, c'est des gens qui tiennent un petit peu à leur ronde serviette d'oppositionnels du système. Je comprends. Ouais. Donc, ils vont se sentir obligés, par exemple, j'avais trouvé ça dégueulasse, d'allumer Renaud Camus. Oui, c'est ça. Et donc, j'allais t'en parler de ça. En allumant Renaud Camus, quelque part, il donne l'impression de, bah, d'être toujours respectable et en plus, il nous cible, quoi, parce qu'en allumant Renaud Camus, c'est l'opprobre qui porte sur toute la mouvance patriote, sur toute la mouvance résistante et on a l'impression qu'il nous crache dessus, indirectement, hein, quand même. Récemment, là, j'ai vu Renaud Camus cette année, là, il y a quelques mois, il me disait qu'il était à nouveau en froid avec Finkielkraut parce que celui-ci n'a pas aimé que Camus fasse un parallèle entre ce qui arrive à l'Europe et ce qui arrivait aux Juifs à une certaine époque. Alors que bah, Renaud Camus a dit, mais oui, mais c'est un génocide par substitution, d'accord, c'est, excuse-moi, mais je fais ce que je veux. Quoi. Ils se sont sentis obligés, Elisabeth Lévy et lui, de condamner sévèrement Renaud Camus, un homme à la dérive et tout. Bon, ouais. Finkielkraut, Renaud Camus, son premier procès, puisqu'on parlait des procès, il avait prévu d'avoir Finkielkraut comme témoin quand même. Ah oui, oui. Et Finkielkraut, il a expliqué qu'il ne pouvait pas venir, quoi. Je crois qu'on pense, il faut avoir vraiment le talent de Zemmour pour se permettre autant de liberté. Et toi, tu penses que tu dis, voilà, Finkielkraut tient à sa place à la télé. Donc, ah, complètement. Ouais. Complètement. Je pense qu'il tient à son émission sur France Culture, mm-hmm. où par ailleurs, il fait passer d'excellents messages. Hein. Faut pas. Mais Finkielkraut, il sera toujours à la marge et il voudra pas perdre, on va dire, les derniers rondes serviettes qu'il a sur les médias. Et d'autre part, sur l'islam, il n'est pas courageux. Mmh, tout c'est simplement, pas vrai, quoi. Mmh. Et je veux dire, n'est pas Zemmour qui veut. Ouais. Je me rappelle, Zemmour, d'ailleurs, un jour, il avait balancé un truc assez drôle, parce qu'il est quand même, on va dire, sympa. Il avait dit, mais Alain, arrêtez avec vos pudeurs de jeune fille de gauche. J'avais aimé la formule. C'est quand même un petit peu ça. Ouais. Mais bon, s'ils étaient tous comme Finkielkraut, ça irait quand même mieux. Ouais. Le succès retentissant vraiment des bouquins de Zemmour, le suicide français et maintenant le destin français, là, qui est très très bien parti, tend à prouver que bon, les Français sont en accord avec ces discours. Pourtant, électoralement, ça passe pas. Alors, est-ce que tu as déjà réfléchi, qu'est-ce qui coince en fait ? Qu'est-ce qui coince dans la tête des Français et qui fait que ce bulletin anti-immigration, ils ne vont pas le mettre ? C'est vrai que on dit toujours que les Français ont été le peuple à l'avant-garde des combats pour la liberté en Europe, que c'est le pays de l'émancipation et tout. Le constat quand même qu'on est obligé de faire, c'est qu'on est les cancres de l'Europe en ce moment. Ouais. C'est que ce que les autres appellent les populistes, et ce qui, moi, me dérange pas, hein, les patriotes progressent partout, il y a des alternatives politiques qui ont lieu partout, et nous, on n'y arrive pas. Ouais. Nous, tout se casse. Alors, en même temps, on est dans un pays où tout se casse la figure, quoi. C'est-à-dire, Macron se casse la figure. Macron, ça va, on a l'impression quand même que là, il est à la ramasse. Mélenchon, qui était une alternative, s'est tellement distingué cette semaine que j'ai l'impression que les Français vont avoir du mal à lui confier les codes du nucléaire. Wauquiez, il s'en sort pas. Marine donne l'impression de pas se remettre, de se débarrasser. Et d'autre part, le Front National est quand même persécuté par le système, c'est incontestable. Oui. Et on n'a pas un Salvini. On n'a pas un Orban. Moi, je suis convaincu que c'est plutôt... il manque la personne qui incarne les idées. Parce qu'au bout d'un moment, si tu regardes en Italie, la Lega faisait 4% en 2013. Aujourd'hui, Salvini est l'homme fort de l'Italie. Mais pourquoi il est l'homme fort de l'Italie ? C'est qu'il a fallu 700 000 clandestins pour que les Italiens commencent à dire, bon, comment il s'appelait celui d'avant en Italie, peu importe. Ouais. Mais bon, il faut qu'ils commencent à dire, bon, ça suffit, quoi. Avec cela, on ne va plus être en Italie. Ouais, et pour, ouais. qu'ils fassent aujourd'hui de la Lega le premier parti. Bah, nous, on n'a pas encore l'invasion des Italiens, hein, ni des Allemands, on ne l'a pas encore, même si, tu veux même dire si que on en a beaucoup chez trop. Nous, en fait, la pilule, elle est trop progressive. En fait, on n'a pas des chocs
choc comme ça. Oui, est quand même calé. Et puis il y a quand même, c'est unique en France, le traitement qu'a subi le Front National, qui est quand même la seule alternative, le traitement qu'il a subi pendant 40 ans, je veux dire, deux générations qui ont été éduquées sur F comme fasciste et N comme nazi, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Alors moi, la solution, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut l'homme fort et tous les patriotes autour? Alors l'homme fort, moi aujourd'hui, mis à part Marion, je ne vois personne, je ne crois pas, j'espère me tromper. Moi, je crois qu'il faut un homme qui incarne un projet. Ouais. Et que la France, c'est ça, quoi. La France, on a coupé la tête des rois, on a coupé la tête du roi, mais on veut un roi. Mais on veut un roi qu'on élit. C'est ça la différence, quoi. La Ve République, c'est ça. On veut un roi. Mmh. Et ben, on n'a pas, on trouve pas le roi, quoi. L'UMP, Sarkozy a trahi, Sarkozy a découragé beaucoup de personnes. Personne croit trop en Wauquiez, qui n'arrive pas à s'en sortir dans son parti. Donc, je crois que le vrai problème, c'est l'offre politique. Mmh. C'est l'offre politique, parce que je suis vraiment convaincu qu'un mec crédible et tout, il peut pas y avoir. Enfin, je sais bien qu'on a été décérébrés, mais il peut quand même pas y avoir 70% de Français qui veulent plus de l'immigration. Il peut pas y avoir une majorité de Français qui disent que l'islam, ça commence à suffire, et qu'au moment des élections, on continue à voter pour des mecs qui nous en amènent encore plus. Enfin, on peut pas être bête à ce point-là en permanence. Toi, tu gardes confiance quand même dans le peuple français. Tu te dis, c'est qu'une question de circonstances, d'hommes. Non, parce que je pense qu'il y a aussi un détournement du scrutin, c'est-à-dire... Comment ça ? Hollande a été élu par 93% de musulmans. Mmh. Macron a été élu par 92% de musulmans. Ah, on dit qu'on est contre le droit de vote des étrangers, mais le droit de vote des étrangers, il existe déjà par l'immensité des naturalisations. Mmh. Des naturalisations, c'est ça. Donc, vous regardez un petit peu la démographie. Ouais, la démographie va rendre très très difficile la victoire d'un Français patriote aux élections. Tout simplement parce que la loi du nombre, les nôtres meurent. Je faisais le calcul, entre 2017 et 2022, il va y avoir à peu près 3 millions de morts en France. Il meurt à peu près 600 000 personnes. Donc ça va faire à peu près 3 à 4 millions. Sur les 3 à 4 millions de morts, il y a combien de Français et il y aura combien de naissances, hein, voilà. Donc, et sur les nouveaux électeurs, ça va être quoi les chiffres aussi, hein, puisqu'on a 700 000 naissances tous les ans, ça va être quoi les chiffres? Donc, il y a un bourrage d'urnes, ce que j'appelle moi un bourrage d'urnes massif démocratique. En particulier au second tour, lorsque Le Pen est au... Ouais. Y est, quoi. En fait, tu relativises un peu le... On va dire, il faut pas non plus trop culpabiliser les Français, c'est-à-dire qu'on a quand même 33% de Français qui ont voté Front National, et puis on a une adversité, c'est-à-dire en fait, parmi les gens qui votent Macron, mais il n'y a pas seulement des Blancs, hein. Je crois que vous commencez à le comprendre, hein. 92% de musulmans ont voté Macron. Et c'est normal. Je veux dire, il promet une immigration continue. Il aura donné des gages. Il a fait son cinéma sur les femmes voilées, en racontant que les femmes voilées avaient leur place dans les entreprises. À Marseille, il a parlé de toutes les nationalités sauf des Français. Ouais. Bon, c'est complètement normal. On n'a jamais eu un président qui crachait autant sur son pays et sur son peuple, y compris quand il est à l'étranger. Moi, je comprends que les gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions vis-à-vis de la France votent pour un mec comme ça. Ils ont raison. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu as dit une phrase, je ne sais plus quand, mais elle m'avait marqué par sa simplicité et sa justesse. Aucun pays musulman n'aura accepté le dixième de ce que les pays occidentaux acceptent aujourd'hui avec l'islam. Je l'avais dit dans un débat face à Annie Ramadan. Exactement. Je l'avais dit dans un débat, c'était à Montreux. Alors, c'était assez impressionnant parce que là encore, débat sur l'islam, il y a Annie Ramadan, il y a un converti qui s'appelle Blanchot, puis avec moi, il y a une musulmane, on va dire, en rupture d'islam. Ouais. Et donc, effectivement, la salle, c'est impressionnant. La salle, t'as 150 personnes. Sur 150 personnes, t'as 100 musulmans. Et une vingtaine de femmes voilées.
Et t'as que 50 Suisses. Et donc, il y a Annie Ramadan, il y a 6 gardes du corps qui sont quand même là, qui surveillent et tout. Bon, on se sentait pas parfois trop tranquille, mais effectivement, ça a été un argument fort. Moi, je les ai pas pris. Moi, je leur ai dit clairement que l'islam était incompatible avec nos valeurs. Et que s'ils voulaient rester dans nos pays, ils devaient devenir des apostats. Je veux dire, j'ai pas tourné autour du pot. Ah ouais. Et donc, je leur ai dit que c'était par ailleurs des gens respectables parce qu'ils se battaient pour leurs convictions, que c'était des combattants et que moi, j'avais le respect des combattants. Simplement, bah, entre eux et nous, il y a une incompatibilité. Mmh. Et j'avais dit, effectivement, comme vous êtes des gens fiers et que vous êtes fiers de votre identité, vous êtes fiers de votre culture, vous êtes fiers de votre religion, vous n'accepteriez pas dans vos pays le dixième de ce que nous acceptons de vous. Oui, parce que je m'en souviens maintenant, le type avait un discours vachement victimaire où il disait vous êtes méchants avec nous, vous faites ci, vous faites ça. Alors que bon, le bilan, c'est qu'on accepte pratiquement tout de l'islam en France. C'est ça qui est insupportable. Comment tu expliques cette espèce d'extraordinaire gentillesse qui confine un peu à la bêtise des peuples d'Occident? Alors, d'Occident, pas partout quand même. Hein. Y a certains pays où, ouais. On se permet encore. Bah, y a un ensemble de choses. Y a d'abord le discours de repentance, le discours tenu depuis les années 80 sur la honte de la France, le colonialisme, l'esclavage, Vichy. Bon, bref, la France est plus fière d'elle. Ouais. Donc, il y a déjà ça. Il y a donc, à partir du moment où on est dans la culpabilité par rapport à l'Algérie, moi, par exemple, par rapport à l'Algérie, moi je te cache pas, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'histoire de l'Algérie à 50 ans. Oui. Je connaissais pas du tout, je savais pas. Moi, j'en étais dans le discours, on va dire, le discours Benjamin Stora, les mecs qui ont fait suivre Burnou, les pieds noirs qui étaient méchants avec les pauvres Arabes et tout. J'en étais là, quoi. Et j'ai commencé réellement à m'intéresser à l'histoire de l'Algérie, à découvrir La valise et le cercueil, un documentaire fabuleux. Bon, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, à voir les choses. Mais il y a combien de personnes qui sont encore convaincues en France qu'on a fait le mal en Algérie, qu'on a fait le mal dans toute la colonisation, qu'on a fait le mal en Afrique, alors que Kofi Yamian dit que c'était mieux du temps des Blancs, quand même, parenthèse. Hein. Donc, il y a combien de personnes donc, qui sont dans un espèce de discours de repentance? Et d'autre part, il y a le discours un petit peu, on va dire, d'enfumeur, selon lesquels les mosquées, c'est les églises. Qu'il faut être tolérant. Les mosquées, c'est les églises. Les musulmans, c'est les catholiques. Mahomet, c'est Jésus. Et donc, la laïcité, c'est la liberté religieuse. Ils viennent chez nous. On a été contents de les trouver pour travailler. Il y en a même qui nous racontent qu'ils ont sauvé la France et que c'est grâce à eux si on est encore français. Donc, il y a un discours dominant de culpabilité, de repentance et qu'elle est presque de devoir. Et il y a en plus, je crois, une grande ignorance, même si l'islam agace. Par ces revendications communautaristes, il y a quand même encore une grande ignorance chez beaucoup de Français qui sont convaincus qu'il y a beaucoup de musulmans modérés. Donc, le côté, si on leur donne des mosquées, comme ça, ils ne deviendront pas islamistes. Mmh. Hein, il y a un petit peu tout ça, et puis il y a la lâcheté des élus qui achètent leur élection. Hein. Tout simplement, tout simplement, tu as 30% de musulmans qui votent sur ta commune. Faut être certain de compter sur les 70% en face, c'est ça, ouais. Pour leur dire votre mosquée, allez vous faire foutre. C'est l'alliance dont parle Houellebecq dans Soumission, en fait, entre la gauche et l'islam, qui se fait d'ailleurs dans certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas déjà, quoi. Mais en même temps, les constructions de mosquées, la plupart du temps, sont imposées. C'est un peu comme les migrants qui viennent dans les petites villes. Hein. Ouais. La plupart du temps, c'est l'État contre le peuple. Mmh. Ah oui, parce c'est sûr, les gens ne le désirent pas. Les gens n'ont pas envie d'une mosquée. Mmh. J'ai lu qu'à un pourcentage, il n'y avait que 18% des Français qui étaient d'accord pour avoir une mosquée dans leur ville. Mmh. Et encore, on ne précise pas ces 18%, il y a combien de musulmans dans les 18%, et on ne précise pas si les mecs sont d'accord pour habiter à côté de la mosquée. Hein, on ne précise pas tout ça quand même. Mais sur ces des questions claires qu'on n'a jamais posées par référendum, voulez-vous la continuation de l'immigration, etc. Je pense qu'ils savent le résultat. Hein. Oui, c'est pour ça qu'ils ne posent pas la question. Et la dernière fois qu'ils ont posé la question aux Français, c'était sur le traité constitutionnel européen. On a mal voté.
Ouais. Il y a une phrase extraordinaire de Strauss-Kahn au lendemain du référendum. Strauss-Kahn dit, dans cette histoire, il y a eu deux conneries. La première, c'est que nous, on a demandé à Chirac de faire un référendum. Première connerie. Et la deuxième connerie, Chirac, il nous a dit oui. Donc Strauss-Kahn, avec son cynisme habituel. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est clair que les référendums, à mon avis, comme chaque fois qu'ils nous en font, on vote mal. Ouais. Mais qu'en même temps, il y avait une candidate qui proposait des référendums. Hein, c'est le programme de Marine, je crois qu'il y a vraiment eu un problème, c'est que alors elle n'a pas été aidée du tout par les médias, mais un ensemble de choses fortes de son programme n'ont pas été connues des Français. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression que, bon, au-delà de la diabolisation, parce qu'ils ont eu beau faire leur campagne de dédiabolisation, le FN, ils sont toujours autant diabolisés. Mmh. Et très franchement, ils en ont pris plein la tête pendant toute la campagne. Quoi. C'était vraiment les gens à abattre. Et Marine a passé plein de temps à se défendre sur des attaques. Mais cela dit, le boulot n'a pas été fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai lu le programme, je me suis dit, mais ça, elle devrait le mettre en avant, elle devrait le dire, quoi. Plus souvent, par exemple, moi je suis un anti-sécurité routière primaire, oui. Mais bon, elle, mais j'assume, hein, j'assume primaire, mais lucide. C'était la seule qui proposait d'en finir avec le permis à points. Ouais. C'était la seule qui proposait de mettre fin aux raquettes des radars. On l'a pas assez entendu, ça. On l'a pas entendu du tout. Mm-hmm. Mais tout simplement parce que dès qu'elle a parlé à un moment, je sais plus, sur les années 40, bon, tout le monde l'a traité de péténiste. Quand elle a dit en 40, Vichy, c'était pas la France. C'était juste le discours de Mitterrand, entre nous. Oui, hein. Oui. Et bon, pendant trois jours, tout le monde l'a traité de péténiste. Donc, à se pointer sur un plateau de télévision, c'était vous êtes comme votre père. Donc, dans 10 minutes, sur 10 minutes, tu passes 8 minutes à te défendre. Ouais, c'est pas facile non plus. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que son programme... Je suis convaincu que son programme, si on enlève FN, tu vois, ça serait intéressant, ça, de faire voter les gens sur des programmes sans qu'ils l'étiquettent. Je suis à peu près convaincu que ce serait le programme amusant du FN qui serait le plus sollicité. Oh, surtout que oui, là, il n'y a vraiment plus aucune radicalité, aucun extrémisme, rien. Normalement, les gens, en fait, auraient pu tout à fait voter pour. Hein. Mm-hmm. Alors, par tradition... politique, tu es anticommunautaire, mais est-ce que tu comprends le réflexe de certains Français de souche de vouloir se rassembler et vivre ensemble loin de l'immigration, loin de l'islam? Est-ce que tu comprends ce choix qui n'est pas politique, qui est métapolitique, qui est humain en fait? C'est un peu l'histoire de ce livre. Ouais. Là, le mur, c'est une fiction. Hein. C'est, ouais. C'est une fiction de 2080 et qui explique qu'en 2023, on a séparé le pays en deux. En gros, les musulmans au sud et les Français dans le nord. Ouais. Moi, je pense qu'on ne va pas donner des leçons à des gens qui quittent des zones totalement islamisées et on ne va pas être hypocrite. On a envie de vivre dans l'entre-soi. Ouais. On a envie, moi, quand je vivais dans un petit village en région parisienne, j'ai commencé à être agacé quand j'ai vu que dans le centre-ville, il commençait à y avoir des voilés. Quand j'ai vu que ma petite ville tranquille, mon petit village, c'était en train de devenir le 9-3. Mmh. Et je ne suis pas resté. Ouais. Je ne suis pas resté. Donc moi, je comprends parfaitement si au bout d'un moment, je pense que la meilleure solution, c'est la remigration. Hein, et qu'il faut quand même se battre pour la remigration. Moi, je n'ai pas envie de partager mon pays d'autres. Je pense que si on en arrivait à ça, de toute façon, ça serait que différer le problème et la guerre arriverait. Par ailleurs, à partir du moment où il n'y a pas de remigration et à partir du moment où il y a 11 millions de musulmans, bientôt 15, bientôt 20, ouais. Bien évidemment qu'on cherche les endroits protégés. Et les endroits protégés, en même temps, avec l'arrivée des migrants, moi je vois, par exemple, je discutais avec un copain sur Nantes. Nantes, c'est abominable. Nantes, il arrive 40 clandestins tous les jours. Ouais. 40 clandestins tous les jours, ça fait 1000 par mois. Cet imbécile de maire socialiste a fait la promotion sur les sites municipaux comme quoi il y avait des associations qui étaient parfaitement efficaces pour accueillir les migrants, qui étaient organisées et tout. Résultat, Nantes est passée de la 27e ou 28e ville pour le nombre de migrants à la 3e. C'est-à-dire que maintenant, il y a Paris et Calais qui sont toujours en tête, la 3e ville, c'est Nantes. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Il y en a 1000. Bah non, ils peuvent pas garder 1000 mecs tous les jours. Donc une fois qu'ils font venir les migrants, c'est exactement comme Hidalgo à Paris. Ça se disperse. Après, dispersez-vous et c'est les petits villages qui les reçoivent. Et c'est la vie de petits villages qui est complètement remise en cause. Vous avez un petit village de 500 habitants où on vous colle 30 migrants, c'est terminé. Votre gamin qui va à l'école, mec seul, musulman, jeune, votre gamin, votre gamine qui va à l'école, vous la laissez plus aller à l'école toute seule. Vous laissez plus votre vélo sans un antivol. Vous laissez plus votre porte ouverte. Vous laissez plus votre voiture. C'est plus la même vie. C'est terminé. C'est-à-dire qu'il va se passer dans ces petits villages ce qui s'est passé dans les années 80 à Paris. C'est-à-dire que c'est un changement de mode de vie. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, l'idée du communautarisme blanc, moi, sur le principe, on va dire idéologiquement, je serais contre. Maintenant, je suis contre que l'idéologie s'impose par rapport à la réalité. Quoi, par c'est rapport, ça, ouais. On ne va pas faire le déni de réalité. Ça s'adapte à la situation, en fait. Bien sûr. Bien sûr, il y a pas. Je trouve qu'il y a pas à fuir cette perspective, mais je préférerais quand même que ça soit une remigration massive. Il y a eu des exemples dans l'histoire. Hein, je parlais de la valise ou du cercueil. Il y a eu les Sudètes. Les Sudètes, ouais. En beaucoup, 1945, beaucoup 13 à 14 millions d'Allemands. Désolé, quand il y a la volonté politique, quand il y a la guerre, quand il y a la volonté politique, des choses qui paraissaient inenvisageables deviennent envisageables. Mais c'est vrai que les Sudètes, c'est un bon exemple parce qu'il y a la quantité. Là, on parle de 10, 12, 13 millions. Sur deux ans. Voilà, d'Allemands. Vous comprenez qu'après la guerre, les Allemands étaient très mal vus en tant que peuple. Et donc, en fait, il y a des zones où on a été obligé de les évacuer par. Alors que leur famille était là depuis plusieurs siècles. Ouais, par sécurité, effectivement. Alors, j'ai une question qu'un ami catholique voulait que je te pose. Il m'a dit, si tu vois Pierre, il faut absolument que tu lui demandes ça. Oh là, je sens la question vicieuse, non ? Pas tellement vicieuse. mais difficile quand même. Est-ce que parfois tu remets en cause, parce que tu es athée, est-ce que tu remets parfois en cause ton athéisme en te disant que finalement, l'islam n'aurait pas triomphé dans un territoire où l'ensemble des Français seraient restés catholiques ? Alors j'ai souvent ce débat parce que j'ai participé à des débats avec l'abbé Pagès et dans les banquiers républicains régulièrement quand Résistance républicaine faisait des banquiers républicains, généralement la première intervention qu'on se prenait c'était toujours le catholique de service, les yeux hors de la tête, qui nous disait tout ça c'est de votre faute, la loi de 1905 et tout, il n'y aurait pas eu ça, la France serait restée catholique, on aurait gagné et tout. Moi je voudrais bien que ça soit vrai. Parce qu'à la rigueur, il suffirait de redevenir catholique pour que ça soit réglé. Bon, d'abord, il y a des pays catholiques qui ont été conquis par l'islam. Il y a la loi de 1905 en France. Or, les problèmes que pose l'islam se posent à peu près partout, y compris dans des pays qui ont gardé une présence religieuse beaucoup plus importante. Donc, mais je veux bien préciser, moi, mon côté personnel. Ouais. Moi, j'ai changé aussi là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que... Ah oui. Moi, par exemple, pour te dire ma radicalité anti-catholique, c'est que j'ai été baptisé à l'âge de, je crois que j'avais 13 mois, et à l'âge de 40 ans, ça m'énervait de me dire que j'étais toujours considéré comme catholique. J'ai toujours dit à mes proches, s'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas être enterré à l'église. Je ne me reconnais pas dans la foi, je suis athée et tout. Mais j'ai envie de dire, jusqu'à 40 ans, j'étais dans une hostilité franche à l'église catholique et en général à toutes les religions. Ouais. Mais peut-être plus encore à l'église catholique. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de dire aux catholiques, battez-vous pour votre foi, battez-vous pour votre église, battez-vous en votre sein pour que toute la clique du pape et tout soit dégagée. Et puis le problème n'est pas les catholiques, les athées, les laïcs, on peut être laïque et catholique par ailleurs. Oui, tout à fait. Donc le problème n'est pas là. Le catholicisme, j'ai mis le temps à tenir ce discours. Le catholicisme fait partie de l'histoire de France comme
les Grecs, comme Rome, comme la Révolution française. Tout ça fait partie de notre histoire et il faut surtout conserver les traditions. Quoi. Moi, aujourd'hui, quand je vois cette gauche, mais pas seulement cette gauche, qui accorde tout à l'islam et qui continue à faire chier les catholiques, moi, je suis du côté des catholiques face aux persécutions de la gauche. Oui. Sans problème. D'accord. Sans problème, je trouve que c'est... Bah, d'un autre côté, voilà. Mais je ne remets pas en cause la laïcité pour autant. Je ne crois pas que la solution miracle soit une France catholique, parce qu'y compris, il faudra 2 siècles pour y arriver. Ouais. Et dans 2 siècles, il sera peut-être passé beaucoup de choses. Quoi. Moi, je pense que les gens sont attachés à la laïcité, que la laïcité n'est pas hostile à la foi, normalement. Hein, c'est une histoire de séparation. Moi, je suis très content du modèle français. J'ai pas envie, par exemple, qu'il y ait à nouveau des crucifix dans les écoles. J'ai pas envie, quand je passe au tribunal, et ça t'arrive peut-être un peu, ça t'arrivera peut-être encore, je te le souhaite pas, qu'il y ait un crucifix au-dessus du juge. J'ai pas envie de ça. Ouais, ouais. J'ai pas envie que dans les conseils municipaux, on fasse une prière, comme ça arrive dans certains pays, avant le conseil municipal. On va dire, j'ai pas envie que la foi de qui que ce soit s'affiche publiquement. D'accord, puis de toute façon, c'est une question d'honnêteté envers toi. Tu vas pas... croire artificiellement si tu n'es la foi est absente. Je n'ai pas la foi, mais je respecte ceux qui ont la foi et j'ai pas du tout envie que des intégristes laïcs continuent à emmerder l'Église catholique en France. Quoi. J'ai pas du tout envie de ça. Pour moi, c'est pas le combat. Le combat, on doit le mener sur un côté civilisationnel et les croyants et les non-croyants doivent se battre ensemble pour ce qui les rassemble. Oui, alors, puisqu'on parle de justice, dis-nous un peu quelles ont été les poursuites judiciaires dont tu as été la victime, en fait. Où on en est, quoi? Alors, ça a commencé tout de suite après l'apéro saucisson pinard. Ouais. C'est une vengeance, c'est clair. Ils ne nous ont pas pardonné d'avoir monté ça. Et immédiatement, la Ligue des droits de l'homme, c'est venu d'eux, et donc de son président d'honneur, Tubiana, qui, on va dire, qui ne nous aime pas et c'est réciproque, c'est lui qui a monté le premier procès. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un apostat de l'islam. C'est-à-dire que je me suis retrouvé la première fois au tribunal avec un apostat de l'islam. Ça ne les a pas gênés. Le combat, ce qui était intéressant, c'était l'inégalité du combat. C'est-à-dire que nous, on avait un seul avocat qui a dû tenir la boutique. Le procès avait commencé à 14h, ça s'est fini à 23h. Il est tombé d'épuisement à la fin du procès pour dire... Et en face, il y avait 7 avocats. Okay. Nous, on va dire, puissance financière. Allez, on va dire à l'époque, si on avait 10 000 euros devant nous, ouais. Oh ouais, c'est la vente des livres peut-être et tout. Si on avait entre 5 et 10 000 euros devant nous, c'était le bout du monde. Et tout est passé là-dedans. C'était, voilà. Et en face, c'était quand même 4 associations antiracistes subventionnées et le CCIF, dont on peut penser qu'il a du fric venu d'ailleurs. Hein? Donc, quand on regarde les bilans, c'est des associations qui ont des millions, je dis bien des millions d'euros de subventions tous les ans. Ouais. Je pense que les 5 associations ensemble, c'était à peu près un potentiel de 5-6 millions d'euros contre 10 000 euros. Déjà, l'égalité, bravo. Hein. Et puis, bah, on a été très, très lourdement condamnés. Hein. On s'est pris, j'ai même vu, moi, un procureur demander de la tôle avec sursis contre moi, sympa, et contre l'apostat de l'islam. Ouais. Alors, l'apostat de l'islam, c'est extraordinaire. C'est un mec qui s'appelle Pascal Hiloute. Il a francisé son nom. Ah oui. Il est né Mohamed. Ah oui, d'accord. Il a francisé son nom. Il n'a qu'une hantise, c'est que ses filles, il a quitté le Maroc, c'est que ses filles se connaissent. La pression des imams et tout. Je veux dire, il est plus français que la plupart des gens. Et c'est un gars comme ça que la France a condamné quand on déroule le tapis rouge à Marwan Mohamed sur les plateaux de télévision, par exemple. Ouais. Donc ça a été le premier procès. Et puis... Bon, moi, je ne suis plus responsable de Riposte Laïque depuis 2012. Hein, c'est les amis suisses qui tiennent le site. Mais ça ne leur a pas plu. Parce qu'ils ont décidé que quelqu'un comme Pierre Cassan pouvait être toujours le responsable. Quoi. Donc, ils m'ont collé une perquisition.
Hein, alors bon, moi, je n'ai pas collé le procureur au mur comme Mélenchon parce qu'il n'y avait que trois policiers. Hein, je n'ai pas eu une perquisition comme ça. Tu n'as pas dit la République, c'est moi. Non, ça, je ne la connaissais pas, celle-là. Et ma personne est sacrée. Ça, non, je ne sais pas. Ça, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû. Mais... Et donc, une perquisition, c'est particulièrement désagréable. Ouais. Ils espéraient trouver dans cette perquisition, on m'a piqué mon ordinateur et mon téléphone, la preuve que j'étais le responsable de Riposte Laïque. Alors, la justice française, c'est particulier parce que chaque fois qu'il y a une plainte contre Riposte Laïque, les flics se sont obligés d'interroger Pierre Cassan, qui raconte toujours la même chose. Ça fait 15 fois que je suis interrogé par les gendarmes, par les policiers. Ça fait 6 fois que je suis interrogé par des juges d'instruction. Je raconte toujours la même chose, mais à l'arrivée, je me retrouve toujours au tribunal. C'est ça, parce que ça a continué en fait au long des années. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là, j'étais dans une bonne dynamique. C'est-à-dire que je bénéficiais de 4 verdicts, 2 par la Cour d'appel de Paris et 2 par la 17e chambre, qui me relaxaient depuis les 4 derniers procès. Donc ça paraissait bon, mais je me suis pris un autre procès avec d'autres juges et une autre chambre à Versailles, où donc le préfet Gilles Clavreul demandait rien de moins que 40 000 euros contre moi. Et j'ai perdu la première fois, j'avais dû assister à des obsèques. Et la deuxième fois, avec toutes les jurisprudences parisiennes, j'espérais m'en sortir. Quoi. Je me disais, bon, ils vont nous relaxer. Sauf que je crois savoir que le syndicat de la magistrature est assez puissant à Versailles, que peut-être il y a des juges, avec une certaine idéologie, toujours est-il, qu'ils ont confirmé en appel, malgré toutes les relaxes parisiennes, ma condamnation. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une jurisprudence à Versailles sur lesquelles tous les mecs qui veulent déposer plainte contre moi vont pouvoir s'appuyer. Et donc, on va en cassation, mais bien évidemment, c'est des sous, c'est tout ça. Et j'ai encore 3 procès qui m'attendent jusqu'à l'été prochain. Ouais. Un DID, alors je, quand même, là, on, c'est a, quand même on, fou, est, c'est on une, est monté. Rendez-vous compte, c'est une persécution. Parce que, Pierre, tu en parles avec un détachement, c'est ta personnalité, tu es quelqu'un de très... qui arrive à prendre ces choses-là avec légèreté, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est casse-couille, excuse-moi d'être vulgaire. C'est-à-dire que non seulement ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre du temps, t'habites plus en région parisienne, tu dois te déplacer, tu dois organiser tout ça. Enfin, vous vous rendez pas compte, c'est un vrai combat, quoi. C'est insupportable, c'est une énergie qu'on doit consacrer à ça, qu'on ne consacre pas à d'autres choses. Ça coûte des sous. Je te cache pas que nous, on se pointe jamais à un tribunal sans sécurité. Oui, bah parce, oui. Que, parce qu'en plus, oui. Bah parce qu'on sait parce pas. Parce que c'est public, donc, les annonces en plus. Éventuellement, des musulmans peuvent savoir. On est obligé de se domicilier chez nos avocats pour pas qu'on connaisse nos adresses. Et en même temps, vous avez je vais pas dire de gros mots, mais certains avocats, guillemets, de l'antiracisme qui nous font chier là-dessus en disant qu'on est des lâches et qu'on se planque, qu'on n'a pas le courage d'annoncer nos adresses. Ouais. Bon, c'est tout ça. Moi, j'ai la chance, et je pense que Christine est pareil, ça ne nous détruit pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on a peut-être, je ne sais pas, on n'est peut-être pas des humains normaux, mais on dort très bien la veille d'un procès, ouais. Sans aucun problème. On arrive à la barre, on n'a pas du tout le palpitant. J'ai le palpitant qui bat à 50 à l'heure au repos, et je te promets qu'il ne progresse pas. Ouais. J'ai envie de dire, je préfère positiver en me disant j'ai quitté la région parisienne, ça me donne l'occasion, grâce à eux, je me sociabilise à nouveau. Oui, je revois les copains à Paris, merci les mecs. Quoi. À part ça, t'as raison, c'est insupportable. Oui, bon, on a quand même la chance de vivre des grands moments de temps en temps dans les tribunaux quand on entend les plaidoiries des antiracistes et tout, c'est géant, quoi. Parce que la haine, on voit bien où elle est. Mmh. Et la haine, elle est du côté des antiracistes et elle est du côté des procureurs. Vous avez des procureurs, mais les mecs, ils ne cachent pas réellement le rejet qu'on leur suscite. Et on a l'impression que dans d'autres périodes, ils nous mettraient une balle dans la tête. Quoi. C'est très clair. C'est très clair. Les mecs, ils nous haïssent. Ils nous haïssent. Je dois admettre que ça nous fait marrer. Ça nous fait marrer. Mais c'est vrai que je l'ai vraiment ressenti, moi. Je suis passé qu'une seule fois devant le tribunal pour l'instant, une hostilité marquée.
Alors, pas des juges. Hein. Ouais. Moi, le procureur. Les juges, en général, les juges sont corrects. Alors, j'ai remarqué, les juges sont corrects, on va dire, avec des gens qu'on impose. Ah. Parce que j'ai quand même vu, des fois, dans certains procès, quand on passe pas en premier, des pauvres gars, on va dire, fragiles et tout. J'ai vu plusieurs fois un plaisir vraiment sadique à leur marcher dessus. Ah oui, donc même là, l'intimidation... De leur faiblesse, ouais. Et tout, et vraiment à les humilier. Quoi. Ouais, non, alors, je dirais encore plus quand c'est quand les juges, c'est trois femmes, et que le mec, il se retrouve là parce qu'il n'a pas forcément une attitude correcte avec une autre femme. D'accord. Là, le mec, il mange double. Hein. Là, la double peine, là, ça existe. Hein. Ouais, d'accord. Pourquoi vous n'avez pas reconduit l'expérience des apéros Saucisson Pinard? Je pense qu'il faut faire une fois. Moi, je remarque quand on est sur un site, quand on fait un truc une fois, la deuxième fois, ça marche moins bien. On avait essayé l'année d'après de refaire quelque chose un 18 juin. On avait fait un truc sur les chansons françaises. Mm-hmm. Ça avait pas, on avait Oscar Freisinger était là. Ça n'avait pas marché. Ah ouais. Non. D'accord. Donc, je ne crois pas. En même temps, je vois par exemple Roland Elie avec Synthèse Nationale. Il fait un truc tous les ans, il fait un truc et ça marche tous les ans. Ouais, après, c'est différent parce que c'est l'occasion pour toutes les chapelles nationalistes de se voir. C'est plus. C'est ça. Ouais. Nous, la dernière chose qu'on a faite, ça a été les 10 ans de riposte laïque. Ouais. On est réservé maintenant sur l'organisation de manifestations parce que le constat, c'est que. C'est une vraie question, peut-être qu'on est mauvais, hein. Faut savoir aussi se remettre en cause, mais comme on constate que c'est le cas de tout le monde, c'est peut-être autre chose, mais normalement, tout, on réussit les assises. Ouais. On met 3000 personnes dans les rues de Paris sur un truc contre le fascisme islamique. On appelle ça comme ça, le terme peut être discutable, bon, mais en tout cas, nous, on l'appelle ça comme ça. On met 3000 personnes qui viennent de toute la France. Et on pourrait se dire que depuis 2015, depuis tous les événements, ça devrait grossir. Et ben, ça grossit pas. Ouais. Alors bon, peut-être parmi les explications, je sais pas, peut-être qu'on a eu 3 manifs annulés. Et ça, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que 3 manifs annulés, les copains de province, tu annonces que tu fais une manif. Ils prennent leur disposition et tout, ils veulent venir. Il y a dans les têtes, bon, ça va encore être annulé. Ouais, je comprends. Hein, Je précise qu'on n'a jamais eu une manif annulée sous la droite. Il n'y a que sous la gauche qu'on a eu les procès. Oui, et il n'y a que sous la gauche qu'on a eu des manifs annulés. Donc, je pense qu'il y a la peur. Je pense qu'il y a la peur. Les personnes, soit des personnes ne veulent plus se faire voir. Il y a ça aussi, hein, pour des raisons de sécurité. Il y a la peur par rapport à la période. En tout cas, peut-être qu'on ne s'est plus mobilisé comme on a su, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que... Les gens ne sont pas moins convaincus, mais ils bougent moins, on va dire. Oui, on a quand même fait, moi ça m'avait beaucoup déçu, on avait fait, quand Hervé Cornara avait été décapité par son employé islamiste, au nom de l'État islamique, et qu'ils avaient accroché la tête. C'était le début, hein, tu te rappelles, toi. C'était vraiment C'était en juillet 2016. Je veux dire, on organise tout de suite un rassemblement sur la place de la Bourse. On est 150. Ouais. Très désespérant. On est 150. Quand les deux policiers sont à Magnanville, abattus devant leur enfant de 3 ans, le ciel organise quelque chose, on participe et on est encore 150. Ouais. Alors qu'il y a deux policiers qui se sont fait tuer chez eux, quoi. Donc, il y a une vraie question. Combinaison de plusieurs choses, quoi. Ouais, Richard Roudier fait des choses très bien avec la Ligue du Midi. Il met 200, 250 personnes, c'est 300 fou, quoi, dans les grands moments. Alors qu'à Montpellier, ils en prennent plein la tête, quand même. Pegida, Allemagne, c'est 40, 50 000 personnes. Seulement parfois. Dans l'Allemagne de l'Est. Hein. Ouais. Pas dans l'Allemagne de l'Ouest. Moi, j'ai le souvenir, au lendemain de Charlie Hebdo, d'avoir été invité par Mélanie Dittmer à Düsseldorf. Ouais. Et donc, on est les Français et tout, on pensait réellement. On a l'impression d'arriver dans une ville en état de siège. T'as un hélicoptère qui tourne autour, t'as des policiers partout, et on est sur un parcours, on est 5 fois moins nombreux que les contre-manifestants. Il vient d'y avoir Charlie Hebdo, tu as les musulmans et les gauchistes qui sont tous ensemble et il y a à peu près une dizaine d'artères et tu passes à chaque fois, tu reçois des projectiles et tu te fais traiter de nazi.
Ce qui est en plus un non-sens historique extraordinaire, oui. Quand on sait quand même le rôle des musulmans avec l'Allemagne nazie dans la dernière guerre. Quoi. Les Meuses étaient juste avec les nazis. Quoi. Ouais. Mais c'est les gauchos et les, nazis, et les musulmans qui te traitent de nazis. Et toi, t'es 7-800. On était 7-800. Ils étaient 5000. Et tu sors de là parce que les flics t'extraient du lieu par un tunnel souterrain qui t'amène à la gare à 2 km de là. C'est délirant. Hein. La réalité, donc l'Allemagne Pegida, oui. Ouais. Oui, dans l'Allemagne de l'Est, non dans l'Allemagne de l'Ouest. Ah d'accord. Hein. Oui. Non, parce que j'allais faire un parallèle en disant que bon, en Allemagne ou même en Pologne, ils peuvent mobiliser contre l'islam, mais en France, ça semble compliqué, en tout cas dans les rues. Quoi. Alors franchement, là, la plupart des Français sont hostiles à l'islamisation du pays. Nous, on rêve, nous, on était en Pologne l'année dernière pour le 11 novembre. Ouais. Ouais. Quel rêve, un peuple fier de son identité, alors catholique, hein, et son identité c'est le catholicisme, et les mots d'ordre, très clairs, ils ne veulent pas d'islam chez eux, ils ne veulent pas d'islam chez eux, très très clair, 100 000 personnes dans les rues de Varsovie, ouais. 100 000 personnes. Regarde, les seuls qui arrivent encore à faire des choses, c'est les identitaires. Mais les identitaires font des actions coup de poing, quoi. Ouais. Qui sont héroïques, hein, qui sont exemplaires. Ce qu'ils ont fait SOS Méditerranée, chapeau. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont... Ce qu'ils avaient fait sur la mosquée de Poitiers, exceptionnel. En même temps, c'est eux qui prennent tout. Hein. Ouais. Au niveau répression, eux, c'est 1 an de prison avec sursis. Oui, c'est pas rien. Et 60 000 euros d'amende. Mmh. Mais... En même temps, eux, ils ne cherchent pas, on va dire, à amener des gens avec eux. Non. Ils préfèrent rester entre eux. Faire une coup de com', en fait. Mais bon, de toute façon, nous, il va sans doute falloir qu'on refasse quelque chose. Quoi. Je pense qu'on ne peut pas en rester, même si les 3 ou 4 dernières initiatives, je sais que le Ciel a fait également des choses bien pour soutenir Tommy Robinson. Ils n'ont eu personne. Ouais. Donc, il y a quand même des vraies questions. On parlait des migrants. Je pense qu'il y a un désespoir du peuple français. Oui, il y a ça, mais on parle des migrants dans les petits villages. C'est toujours le même scénario. Là, on est en contact avec des petits villages à côté. C'est toujours le même scénario. C'est-à-dire, quand il y a une réunion publique, tout le monde descend. Ouais. Hein, tout le village descend. Ils en mettent plein la gueule au maire qui accepte. Ils en mettent plein la gueule au préfet qui, des fois, part en courant, pas assez souvent. Mais bon, on sent qu'il y a vraiment un soulèvement. Mais après, il n'y a pas de suite. Ouais. C'est-à-dire que t'as le Front National la plupart du temps, ou les identitaires, ou le Parti de la France, qui propose un rassemblement, et dans les rassemblements, les gens du village viennent pas. Pourquoi ? C'est fou, hein ? Ouais. Et ça fait partie aussi du lavage de cerveau, on veut pas se faire récupérer, le Front National, ils viennent pour se faire récupérer. T'as vu l'autre fois dans un petit village, je sais plus le nom, en Provence, un petit village de 500 habitants qui est sur une colline, et ils vont leur coller quand même, 70 musulmans, 70 clandestins, quoi. Et je veux dire, Marine vient les soutenir. Il y a 30 gauchos qui lui balancent des projectiles, qui foutent le bordel, qui l'agressent. Personne du village sort pour soutenir Marine. C'est-à-dire c'est détestable, quand même. Ouais, mais il n'y avait qu'un pour cent de résistants en 40. Hein. Ouais. Aussi. Ouais, c'est naturel, quelque part. La politique, c'est un engagement, et les gens ne veulent pas, malgré la crise, ils ne veulent pas en fait s'engager personnellement. Ouais. Bah en gros, ils nous laissent passer devant, quoi. Ouais. Ils nous laissent en prendre plein la tranche. Ils nous disent, eh bien, vous êtes courageux, les gars, mais moi, je regarde mon match mon match à la télé. Quoi. Mais alors, à celui qui sort de la tranchée en premier, quoi. C'est vraiment C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors, par-delà le danger de l'islam, est-ce que tu es inquiet de la démographie de l'Afrique noire et du fait que ces gens vont vouloir venir en Europe de l'Ouest, en particulier en France ? C'est une donnée, mais la réponse politique, elle est facile. On a les technologies, on a tout ça, il n'y en a pas un qui vient. Ouais. Je veux dire, on n'a pas à subir le chantage climatique. Alors maintenant, c'est le chantage climatique, le chantage humanitaire, le chantage... Je veux dire, c'est leur problème. L'Afrique est assez grande. Moi, je crois qu'il faut arrêter d'assister l'Afrique. C'est immense, l'Afrique. Hein. Il faut même arrêter les aides, il faut arrêter tout ça. Et c'est aux Africains de régler leurs problèmes, y compris leurs problèmes de surnatalité. C'est pas aux Européens de pallier à ça. Donc moi, je dirais, il y a la technologie, on a des marines... On a des bateaux de guerre, on a des croiseurs, on a des satellites qui nous permettent de savoir quand il y en a qui arrivent. On ferme, point. Oui, oui. On ferme, et non seulement on ferme, mais on renvoie les trop nombreux qui sont là.
Il y a quand même une anecdote en dehors de l'islam, hein, ouais. Même si c'est lié, le Mali, c'est quand même un phénomène extraordinaire. Il y a 100 000 Maliens en France, chiffre officiel. On nous annonce que le Mali donc, est dans un danger de conquête islamique. Oui. On envoie des militaires français. Il y a combien de Maliens qui sont partis pour défendre leur pays ? Ah bah, je ne sais pas. Bah, je connais pas une histoire. Hein. D'accord. Pour moi, il y en a zéro. Je pense que s'il y en avait eu un, ça aurait été énormément médiatisé. Je comprends. Bah, la France reconnaît la polygamie, la France reconnaît tout ça, on n'a pas besoin de bosser pour avoir un bon niveau. Pourquoi irait-il se casser les pieds ? Et c'est les nôtres qui vont là-bas. Bah, là encore, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense que l'Afrique doit gérer ses guerres, l'Afrique doit gérer sa population, l'Afrique a un sous-sol riche qu'ils apprennent à l'exploiter, ils ont un sol fertile dans certains pays. Il y a tout ce qu'il faut pour que l'Afrique s'en sorte. Il faut qu'on arrête de les soutenir. Ouais, c'est un bon exemple, en fait. Vraiment, là, les gens qui sont en France pourraient... venir en aide en fait aux leurs dans leur pays, quoi. C'est bizarre. Bah, ils viennent en aide en envoyant du fric, ouais. Mais et en laissant les nôtres aller se faire tuer. Le fric envoyé là-bas, c'est un détournement. C'est de l'argent qui devrait revenir aux Français. Bien sûr, avec souvent de l'argent au black en plus, envoyé par Western Union, etc. Tout ça. Bon, Pierre, pour terminer, est-ce que tu es confiant, inquiet par rapport à l'avenir de la France ? Comment tu vois les choses ? On va dire que normalement, j'avais utilisé une formule, moi toujours foot, j'avais dit une formule d'Aimé Jacquet en 1998, on va perdre les gars. C'est-à-dire, toutes les conditions sont réunies pour qu'on perde. On a l'impression d'un peuple avachi, on a l'impression que bon, tout l'appareil d'État est tenu, noyauté par l'idéologie gauchiste et immigrationniste, la démographie est catastrophique pour nous en France, et les migrants, les clandestins continuent à arriver, on nous fait le coup du chantage climatique. Normalement, le scénario, Michel, sur le papier, c'est foiré, Michel, quoi. Michel Onfray disait dans 50 ans, je pense qu'il est optimiste. Marwan Mohamed dit ouvertement dans 30 ou 40 ans pourquoi la France ne serait pas musulmane. Normalement, c'est écrit comme ça. Mais moi, j'ai envie de dire, je suis d'abord un combattant et j'ai joué au football et j'ai vu des matchs. Bah, à la 85e minute, vous êtes mené 2-0. Ouais. Vous vous dites, c'est plié. 2-0, il reste 5 minutes, on va pas remonter. Là-dessus, tu vas faire un yaourt, tu vas faire un petit pipi, et tu reviens. Et puis, vous mettez un but, 2-1, les autres, ils commencent à avoir peur. Ouais. Vous égalisez dans la foulée, 2-2, là, les autres, ils se font dessus. Et s'il reste 2 minutes, t'en mets un troisième. Et t'étais mené 2-0 et tu gagnes 3-2. Je crois que l'histoire est toujours faite d'imprévus. Je ne suis pas sûr qu'en 1940, après la raclée qu'on a prise en France, on pensait qu'en 1945, on serait à nouveau débarrassé des Allemands. J'en suis pas sûr. Il y a toujours, dans les plus beaux scénarios, il y a toujours des grains de sable. Ouais. Et je pense que notre rôle à nous tous, hein, qu'on partage, qu'on ait des divergences et tout, mais je pense que notre rôle à nous tous, c'est vraiment de tirer dans le même sens. Les divergences, on verra après. Et aujourd'hui, il faut leur mettre un maximum de grains de sable pour gripper la machine infernale qu'ils ont mis en place pour nous tuer et nous éliminer. Ouais. Je pense que c'est vraiment l'union des patriotes qui est notre seule chance. D'accord. Après, bah, c'est à nous tous de faire le maximum dans notre quotidien. Et quand on fait le maximum dans notre quotidien, on se regarde dans une glace le matin et on peut se faire un clin d'œil. Ah oui, chacun doit faire à son niveau ce qu'il peut pour la cause. Voilà. Quel avenir proche pour Riposte Laïque et comment peut-on vous aider ? L'avenir proche, c'est hélas nos procès, mais on va quand même faire une initiative. Là, faut qu'il se passe quelque chose. Je suis pas capable de dire quoi encore. L'avenir proche, je vais vous faire le petit scoop. Ah, hein, scoop. Je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire un livre qui devrait sortir, je pense, dans 3 semaines à peu près. Et ce livre, est très sévère sur les pointes du doigt, toutes les trahisons de la gauche, tous les reniements de la gauche et...
on va dire, pourquoi moi qui étais un homme de gauche, je choisis aujourd'hui un combat prioritaire pour la défense de l'identité, de la culture, du mode de vie français. Ça retrace un peu ton parcours, voilà, tes conclusions, et puis ça te lâche un peu, hein. On peut aussi teaser un peu les gens comme ça, quoi. J'espère l'objectif, parce que je crois malgré tout qu'on ne gagnera pas s'il n'y a pas des gens de gauche. On ne gagnera pas sans les gens de gauche. Ouais. Je pense qu'il faut qu'il y ait des pans de gauche. Par exemple, le communisme a commencé à tomber quand il y a des gens de gauche en France qui ont commencé aussi à dire « Attendez, il n'y a pas que l'extrême droite », parce qu'en gros, c'était ça. Il n'y a pas que l'extrême droite qui pense que le communisme, quand il y a du goulag, quand il y a des hôpitaux psychiatriques, quand il y a un parti unique, quand il y a un syndicat unique, quand il y a une presse unique, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même des gens de gauche qui ont commencé à réagir là-dessus. Je pense qu'il faut que ce qu'on n'a pas réussi depuis 10 ans, il faut détacher un maximum de gens de gauche pour rejoindre le combat patriotique. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. Puis au-delà du partage de votre site, de vos articles, peut-être, je sais pas, des dons, des achats de livres. Alors, des achats de livres, oui, en dehors de celui-là, on a sorti récemment celui-ci qui parle de cette ville en France gangrénée par l'immigration et l'islamisme. Et puis auparavant, on avait sorti celui qui est un de nos meilleurs auteurs, René Marchand. Et là, le programme est clair. Un titre assez léger. Interdire l'islam. Pourquoi et comment interdire l'islam? Effectivement, et puis d'autres livres, l'histoire de la RATP et de Ghislaine Duménil, donc machiniste à la RATP, qui voit la réalité de l'islamisation de son entreprise et qui décrit, elle aussi femme de gauche, qui décrit la réalité de son vécu. Ouais. Peut-être Sébastien Jalamion, policier qui maintenant est à la rédaction de Riposte Laïque, et qui a été viré comme un malpropre de la police, tout simplement pour avoir montré la réalité de l'État islamique. Donc on peut nous aider en achetant nos livres, on peut nous aider en faisant des dons, et surtout en nous faisant connaître, en faisant circuler le maximum d'articles. On sort 15 articles tous les jours, et s'ils circulent un maximum, ça aide la cause aussi. Oui, il est vrai que, je crois que j'avais déjà posé la question à Christine Tazin, mais... Toi, tu es pour l'interdiction de l'islam sur le territoire français, tout simplement. Ah, clairement. Au nom de la menace qu'il constitue sur la laïcité. Oui, pour moi, l'islam est incompatible avec nos valeurs. Et quand on est en guerre, et j'ai cru comprendre qu'on était en guerre, même si on ne veut pas définir, quand on est en guerre, on ne donne pas à l'ennemi les moyens de sa propagande. On ne donne pas à l'ennemi la possibilité d'avoir ses casernes, qui sont des mosquées. On ne donne pas à l'ennemi la possibilité de se balader avec son uniforme, que ce soit le voile islamique ou les djellabas. Quand on est en guerre, on tient compte qu'on est en guerre, et donc on interdit à l'ennemi de faire sa propagande sur notre territoire. Donc il faut interdire l'islam. S'ils veulent prier, ils prient chez eux, mais il n'y a aucune visibilité de l'islam. D'accord. Et on en finit avec le halal. Et ceux qui ne sont pas contents, ils ont 57 pays musulmans pour aller défendre leur foi, il n'y a aucun problème. Et ceux qui prônent la charia plutôt que les lois de la République, ils n'ont pas leur place en France. Bon, ça a le mérite d'être clair. Bien sûr. Pierre, je te remercie beaucoup. Ça a été un plaisir, Daniel. Partagé, pour ta sympathie, ton combat également. Je te promets que quand on est sur les plateaux de télévision, on ne peut pas parler de la même façon. C'est sûr. Écoute, au moins, ici, on est entre hommes libres. Merci pour cette liberté de ton. Voilà. Et puis, nous, on va poursuivre après l'émission. À la vôtre, les gars. Là, on a été sérieux. Maintenant, on va s'amuser un petit peu. À bientôt, les amis. Au revoir.